Mesdames et messieurs les élus de la nation, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à ce colloque consacré à la diplomatie aérienne et spatiale, colloque du CESA. Il va nous réunir aujourd'hui sur un sujet important. Je suis le professeur Olivier Zajac de l'Université de Lyon 3, directeur de l'Institut d'études de stratégie et de défense dans cette belle université, les Lyonnais n'aiment pas qu'on dise de province, belle université lyonnaise. Et je vais modérer ce colloque. Sans plus attendre, je vais vous proposer d'accueillir donc la Madame Hélène Conway-Mouret, sénatrice, membre de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat, pour introduire ce colloque. Madame la sénatrice. Général, qui représentait le chef d'état-major de l'air et de l'espace, Madame la directrice générale des relations internationales et de la stratégie, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je suis très heureuse ce matin de représenter, pour ouvrir cette conférence, le nouveau président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, Cédric Perrin, qui est actuellement à Copenhague, où je devrais également me trouver pour la session parlementaire de l'OTAN. Une partie de notre commission a été renouvelée à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre dernier, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle restera animée par la même volonté d'aider nos armées à affronter les défis d'une période profondément troublée. Après le grand rendez-vous de la nouvelle loi de programmation militaire, la prochaine échéance est pour nous l'examen du projet de loi de finances pour 2024 qui doit constituer la première marche rehaussée par le Parlement et en particulier par le Sénat de cette LPM. Pour en venir au thème qui nous réunit aujourd'hui, la diplomatie aérienne constitue un sujet d'intérêt de premier ordre pour notre commission des affaires étrangères et de la défense. L'Assemblée nationale a deux commissions, nous n'en avons qu'une seule. D'abord parce que, vous le savez, celle-ci est compétente à la fois en matière d'affaires étrangères et de défense, à la jonction précisément du diplomatique et du militaire. Ensuite, parce que la diplomatie aérienne revêt une multitude de dimensions, toutes importantes à nos yeux. En effet, ce concept renvoie à la fois à la coopération, à l'influence et à la puissance. Il est en outre étroitement lié à la vie de l'armée de l'air et de l'espace et des hommes et des femmes qui la composent, auxquels nous sommes particulièrement attentifs. À travers la coopération, il s'agit de renforcer les armées de l'air de nos alliés dans une optique d'entraide, d'interopérabilité ou encore, lorsqu'il s'agit notamment des pays africains, de prévention de crise. C'est précisément une telle coopération que nous avions avec le Niger, sur laquelle l'armée nigérienne avait d'ailleurs plusieurs fois exprimé sa satisfaction, avant que le coup d'État ne vienne mettre fin prématurément à nos efforts communs et nous obliger à réfléchir à l'ensemble de notre dispositif en Afrique de l'Ouest. L'influence est aussi une dimension évidente de la diplomatie aérienne dont nous n'avons cessé de marteler qu'il fallait la renforcer et lui donner davantage de moyens. Lorsque l'armée de l'air et de l'espace effectue des exercices en coopération avec nos alliés, que ce soit en Europe ou dans l'Indo-Pacifique, elle conforte la confiance mutuelle tout en envoyant des signaux de fermeté à nos concurrents stratégiques. C'est typiquement le cas des missions successives dans l'Indo-Pacifique, les missions Pegasus en 2018, EFARA Wicker en 2021, Ashbrown Pegasus en 2022, puis Pegasus en 2023, qui nous permettent de renforcer notre crédibilité auprès des États de la zone, tout en démontrant la robustesse du triptyque Rafale MRTT A400M. Il en va de même lorsque l'armée de l'air et de l'espace participe à une mission humanitaire ou à l'évacuation de ressortissants de plusieurs pays, comme lors de l'opération Sagittaire au Soudan. De telles opérations, brillamment menées, renforcent l'image de notre pays et confortent son influence. Enfin,
l'objectif de puissance de la diplomatie aérienne est plus que jamais redevenu d'actualité avec l'invasion de l'Ukraine. Le déploiement de Rafale en Lituanie, c'est de la diplomatie. Pardon. Mais c'est aussi dans un cadre désormais profondément façonné par la guerre, une modalité d'expression de la puissance. Le deuxième grand aspect auquel nous sommes naturellement sensibles, c'est le lien entre la diplomatie aérienne et les exportations. Il est évident que les exercices et les missions de coopération auxquelles participent l'armée de l'air et de l'espace permettent de démontrer la qualité de nos matériels, donc de favoriser les décisions d'achat qui débouchent elles-mêmes sur des nouvelles coopérations militaires. Celles-ci sont de plus en plus structurantes, car les contrats de vente ne s'envisagent plus sans contrat de MCO, voire sans retombées industrielles dans le pays acheteur. Pour que tout ceci fonctionne, il y a néanmoins une condition, c'est que la disponibilité de nos matériels soit à la hauteur. C'est essentiel aussi bien pour pouvoir assurer sereinement ces missions de coopération que pour renforcer notre attractivité à l'export ou pour crédibiliser notre soutien à l'Ukraine. C'est pourquoi le Sénat a profondément modifié la LPM afin que les premières marches de la nouvelle programmation soient plus hautes que les dernières marches de la précédente, avec davantage de crédits pour la préparation opérationnelle et pour le maintien en condition opérationnelle. Nous serons très attentifs à ce que nous dira le ministre des Armées que nous auditionnons mercredi prochain à propos de la déclinaison pour 2024 de ces nouveaux moyens. Voilà quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Avant de laisser la parole à Madame la Directrice Générale, je serai particulièrement attentive au cours de cette matinée aux interventions relatives à notre stratégie Indo-Pacifique, sujet essentiel pour l'avenir de l'influence française et qui a fait l'objet d'un rapport et de propositions de notre commission en janvier dernier, que je vous invite bien évidemment à consulter en ligne sur le site du Sénat. Enfin, je suis très heureuse d'être associée en tant que représentante du Sénat à cette conférence qui vise à promouvoir un rôle encore trop méconnu du grand public et pourtant déterminant de nos forces armées. Je vous remercie. Merci, Madame la Sénatrice. Nous allons entendre à présent le mot d'ouverture de ce colloque par Madame Alice Ruffo, directrice générale des relations internationales et stratégiques du ministère des Armées. Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, général. Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur et un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette conférence sur la diplomatie aérienne et spatiale. Et vous venez de le rappeler, Madame la Sénatrice, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est tout à la fois crucial et en même temps, jusqu'à une date très récente, il avait été insuffisamment mis en lumière. Si nous sommes, je crois, enfin, vous l'êtes, familiers de la diplomatie navale, théorisée de longue date et incarnée dans l'histoire par la diplomatie de la canonnière, la contribution de la puissance aérospatiale à la diplomatie est, je dois dire, restée longtemps une forme d'impensé. Il est donc non seulement très logique, mais également très positif, à l'heure où la France dispose, comme cela a été également rappelé, de moyens aérospatiaux inédits, qui permettent à l'armée de l'air et de l'espace de jouer un rôle international grandissant, qu'un travail comme celui qui commence aujourd'hui, enfin qui se poursuit aujourd'hui, soit mené. Je saisis donc cette opportunité pour remercier particulièrement le général Mille d'avoir pris l'initiative de cette conférence dont nous avions discuté il y a plusieurs mois, et de l'organiser et donc de m'y inviter. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière pour faire monter en puissance un sujet et pour le mettre en lumière comme il en a besoin, que d'en faire connaître les enjeux et d'en ouvrir, comme c'est le cas aujourd'hui, les échanges au plus grand nombre. Alors, quelques éléments d'actualité pour commencer, qui ont là aussi été rappelés, sur le rôle diplomatique de la puissance aérospatiale, avec évidemment le rappel de l'opération Pégase, particulièrement celle de 2023, qui a été mentionnée et qui, je crois, incarne parfaitement la grande valeur que peut avoir à l'échelle internationale une armée de l'air de premier ordre.
Je rappelle quelques éléments sur la mission Pégase. 40 jours de déploiement effectif, mettant en œuvre 19 appareils dont 10 chasseurs. Au travers de cette mission, les aviateurs auront réussi l'incroyable performance de se déployer à l'autre bout du monde avec 11 escales, dont 9 chez des nations partenaires de la région, et de s'entraîner avec 14 armées de l'air étrangères. Donc, avec ce déploiement, la puissance aérienne a démontré que dans une zone gigantesque et fragmentée, mais aussi très distante de la métropole, elle pouvait apporter son plein concours à la stratégie française en Indo-Pacifique. Et je sais que vous aurez tout à l'heure l'occasion d'entendre notre ambassadeur pour l'Indo-Pacifique, cher Marc, et sous ton contrôle, je voudrais dire que j'ai trouvé que dans à la fois sa conception, sa préparation et sa mise en œuvre, la mission Pégase 2023 a permis de franchir un cap dans la diplomatie aérienne et dans l'intégration, au fond, de notre diplomatie et de nos armées pour cette stratégie d'influence qui nous occupe tous. En effet, pour chaque pays impliqué, le passage de la mission a été un échange, je crois, unique de renforcer les liens déjà existants, de faire fructifier les relations de défense, de démontrer bien sûr notre crédibilité stratégique et de renforcer au fond la confiance avec nos partenaires tout en consolidant nos points d'appui ou de soutien dans cette zone qui est évidemment un théâtre majeur aujourd'hui de la compétition stratégique. Et cela a été rappelé aussi, la mission Pégase a utilement complété l'apport diplomatique également des bâtiments de la Marine nationale lorsqu'ils ont fait escale dans les pays de la zone Indo-Pacifique où ils transitent. Je crois que cette mission a également permis de faire la démonstration de notre capacité à venir rapidement renforcer nos dispositifs outre-mer dans cette région du monde qui abrite de très nombreux, 1,6 million de nos concitoyens, et donc illustre parfaitement la valeur ajoutée aux côtés de nos autres armées, de l'armée de l'air et de l'espace pour cette si importante stratégie dans laquelle elle a aujourd'hui trouvé toute sa place. Et donc, cet exemple, au fond, me permet juste d'insister sur le fait qu'il y a une forme de changement dans la conception que nous avons de la place de l'armée de l'air et de l'espace dans notre diplomatie, puisque assez longtemps, finalement, la dimension internationale, au fond, l'impact international de l'arme aérienne a été pensé au travers du seul prisme de la puissance aérienne, l'air power, en bon français, que les démonstrations de force ont montré, en fait, dans la guerre froide, en Irak, dans les Balkans, en Afghanistan ou encore en Libye. Et donc, au fond, cette diplomatie aérienne était d'abord pensée sous l'angle de la coercition, par laquelle l'arme aérienne permettait d'imposer notre volonté à d'autres acteurs. Et même si cela reste, et j'y reviendrai en conclusion, une mission dans le contexte actuel de première importance, pour autant, on ne devait pas l'occulter, on l'occulte moins aujourd'hui, et c'est très important, ce n'est pas seulement de la coercition, c'est aussi de l'influence, c'est aussi de la diplomatie, et c'est précisément ce que les échanges d'aujourd'hui vont pouvoir encore plus démontrer. Cette pertinence de ce mouvement et de ce changement dans le positionnement et dans la perception qu'en ont les acteurs est d'autant plus importante dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et on l'a vu, à partir de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022, l'armée de l'air et de l'espace a joué pleinement son rôle, à la fois comme instrument de réassurance pour nos alliés, qui chaque jour, et je voulais le dire ici devant vous, nous en remercient dans les dialogues que nous menons avec eux. Au-delà, bien sûr, des missions de police de l'air que nous assumions d'ores et déjà, elle a été également un moyen de protéger nos forces, de préserver notre liberté d'action collective dans un contexte inédit et face à des formes renouvelées de guerre à longue distance. Et donc, renouveler cette approche dans un contexte si bouleversé nécessitait à la fois de repenser ces sujets sous l'angle conceptuel, stratégique et aussi des besoins opérationnels sans se limiter bien sûr à la dimension capacitaire sous laquelle nous avions essentiellement travaillé jusqu'alors. Et c'est dans ce contexte et dans cette transformation de ce contexte que s'est tenue la conférence aérienne du 19 juin dernier, pour laquelle je veux là aussi remercier tous les acteurs que je reconnais dans cette salle, et qui a permis de réunir à Paris une vingtaine de représentants ministériels de pays européens membres de l'OTAN pour aborder justement ces enjeux
de la défense aérienne et antimissile de l'Europe, sous l'angle non seulement industriel et capacitaire, mais aussi stratégique et opérationnel. Et je crois, enfin en tout cas, c'était la première fois qu'on avait cette approche intégrée de ces questions et aussi dans une logique parfaitement diplomatique, puisque nous défendions ce faisant avec les autorités de l'OTAN, le pilier européen de l'Alliance Atlantique que nous appelons de nos voeux de longue date et qui là a trouvé à s'exercer puisqu'il y a eu pendant toute cette journée, avec une conclusion bien sûr du ministre et du président de la République, une vraie réflexion stratégique commune avec l'OTAN parmi les Européens sur les enjeux stratégiques et diplomatiques de la défense aérienne et antimissile de l'Europe. C'est quand même, pour moi, une vraie démonstration de l'importance stratégique que prennent ces sujets, de leur visibilité, dont notre diplomatie doit, je crois, complètement se saisir. Et c'était une étape importante, une étape que je crois couronnée de succès, puisque quand on fait une conférence, si elle n'est pas reprise, ça veut dire qu'elle a été un peu, en tout cas qu'elle n'a pas marqué les esprits. Alors là, tout le monde se bat pour en faire une autre. Donc les Britanniques ont repris le flambeau. Je comprends que nos partenaires italiens et allemands se positionnent également. C'est donc la preuve que c'était une bonne idée d'aborder ces questions sous cet angle complet et en commençant par les enjeux stratégiques et aussi diplomatiques qui engagent l'armée de l'air et de l'espace. Cela a été rappelé aussi, cette dimension nouvelle a été démontrée au cours des opérations d'évacuation de nos ressortissants, bien sûr au Niger et également au Soudan. Et au fond, ce que j'ai vu de ma place à travers ces opérations, c'est que l'armée de l'air et de l'espace vient ici complètement renforcer la crédibilité, au fond, de notre positionnement diplomatique, dans le même temps que notre diplomatie épaule, au fond, les forces armées, en leur permettant de disposer de points d'appui dans des régions stratégiques. C'était donc c'est le cas, évidemment, également aux Émirats Arabes Unis. Et donc, je pense que ce lien, cette intégration très forte entre notre diplomatie et notre armée de l'air et de l'espace est absolument crucial pour notre stratégie de défense et pour notre politique de défense à l'international. Ce qui a évolué aussi, ce qui a changé et ce qui est appelé à être renforcé, je crois, dans les prochains mois et les prochaines années, c'est le fait de placer notre puissance aérienne et spatiale au cœur de la construction de nos partenariats sur la base de la stratégie de défense, stratégie spatiale de défense, notamment adoptée par notre ministère dès 2019, dont je reconnais au deuxième rang l'un des auteurs de la DGRIS, et qui donc permettent d'avoir une feuille de route dans les différents domaines et qui nous permet aujourd'hui de travailler justement au renforcement de nos partenariats dans le domaine spatial, qui commence toujours par une compréhension commune du domaine spatial. Et c'est ce que justement, de ces risques et des menaces qui s'expriment dans ce domaine, et c'est justement ce que nous avons construit en particulier avec l'Inde. Et donc je crois qu'on peut se féliciter collectivement du fait que le premier dialogue sur l'espace entre la France et l'Inde se soit tenu en amont de la visite du Premier ministre indien en juillet 2023. Ce qui constitue une étape absolument décisive dans la consolidation de notre coopération avec ce partenaire clé, évidemment, dans la région Indo-Pacifique. Et donc on voit bien que le rôle de l'armée de l'air et de l'espace dans la construction de nos partenariats se développe et va dans le bon sens. Je citerai aussi la question de la compréhension commune, du partage d'informations, mais il y a aussi bien sûr la formation et les exercices conjoints. Et là-dessus, je crois qu'on peut aussi se féliciter de la participation croissante de pays étrangers à l'exercice militaire spatial Astérix, conduit depuis 2021 par le commandement de l'espace, qui illustre là aussi, une fois de plus, ce carrefour, ces liens qui existent entre la diplomatie et la coopération spatiale militaire. Je sais également que ce travail se poursuit avec le Japon, et donc on le voit bien, on revient toujours à cette région Indo-Pacifique qui est si cruciale pour notre avenir et si cruciale pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on ne doit pas oublier pour autant la dimension européenne de notre diplomatie, qui constitue évidemment une priorité, et là aussi
L'Union européenne, sous notre impulsion et dans le dialogue avec nos partenaires, développe son action dans ce domaine, dans un contexte où, bien sûr, tout le monde a bien compris qu'il fallait faire face ensemble au durcissement de l'environnement stratégique spatial et que cela est absolument crucial. C'est ainsi que, sous présidence française de l'Union européenne, s'est mise en place et construite la stratégie spatiale européenne de sécurité et de défense, qui a fait l'objet d'une publication conjointe en mars 2023 par la Commission et le Service européen d'action extérieure et qui est débattue en ce moment même au niveau du Conseil de l'Union européenne en vue de son endossement par les États membres. Donc, je l'ai dit, pour nos stratégies, pour nos partenariats, pour nos coopérations, pour notre rôle au sein de l'UE, la diplomatie aérienne et spatiale est devenue aujourd'hui absolument un cœur de métier pour nous tous les jours donc permet de pleinement participer à la stratégie d'influence, qui est donc cette nouvelle fonction stratégique qui a été définie par les plus hautes autorités de l'État. J'ajoute un point plus qui a l'air plus anecdotique, mais qui ne l'est pas. C'est ce que j'ai pu constater, c'est que dans la construction de ces partenariats et de ces coopérations, les liens humains créés entre les pilotes, les mécaniciens, les contrôleurs aériens qui ont été formés en France sont absolument essentiels pour construire précisément nos partenariats à venir, pour construire notre stratégie d'influence, et que c'est un élément de la diplomatie aérienne et spatiale qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit, parce que je crois qu'il est porteur d'avenir. Alors, je sais, pour travailler, avoir l'immense chance de travailler au quotidien avec des aviateurs de très grande qualité à la DGRIS, que ce changement, cette évolution dans le positionnement de l'armée de l'air et de l'espace dans notre stratégie, notre politique de défense et notre diplomatie peut être un changement de culture qui consiste au fond à passer d'une habitude de projection rapide et lointaine, générant des effets précis sur un laps de temps et dans un lieu donné, à une pratique diplomatique d'échange, souvent sur le temps long, qui peut être parfois déroutante pour des aviateurs qui ont appris à agir parfois très 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 vite, mais très 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 bien. Mais je sais, pour travailler au quotidien avec eux, combien leur capacité d'adaptation et de rapidité dans cette adaptation aux enjeux et d'aller tout droit et très fort à la cible nous est pour cela précieuse. Je ne peux pas oublier, en évoquant le rôle d'influence et dans notre diplomatie de l'armée de l'air et de l'espace, de citer évidemment la patrouille de France, qui est notre plus grande ambassadrice. On m'a proposé de citer énormément d'exemples, mais je vais en citer un personnel. J'ai vu la patrouille de France au-dessus de Beyrouth, juste après l'explosion du port de Beyrouth. Non seulement je ne l'oublierai jamais, mais je peux vous dire que je pense que beaucoup de gens qui alors avaient besoin de ce type de soutien et de signaux ne l'oublieront pas. Quelques mots pour conclure de la capacité de coercition, que je disais être plus classique, mais enfin qui reste en réalité d'actualité. Elle est essentielle, évidemment, pour conserver notre capacité à peser, en exerçant une pression plus ou moins forte, plus ou moins explicite sur le comportement d'autres acteurs internationaux. Et elle implique très souvent la démonstration de la force militaire au travers d'exercices, de déploiements, voire si nécessaire des raids. Alors les exemples historiques, bien sûr, là aussi ne manquent pas, et j'imagine qu'ils seront évoqués dans vos échanges ce matin, à travers bien sûr l'exemple des ponts aériens qui ont marqué les esprits par le passé, à Sarajevo de 1992 à 1996, mais surtout à Berlin, évidemment entre 1948 et 1949, avec au plus fort de la crise un avion décollant toutes les minutes de Berlin. Et donc un moment de l'histoire où les Alliés furent en mesure de démontrer leur résolution, inscrite dans la durée, leur capacité logistique à assurer le ravitaillement des Berlinois de l'Ouest, alors que les Soviétiques avaient bloqué l'accès terrestre à ce territoire. Et par ce biais, comme par d'autres, au fond, on voit que la diplomatie aérienne dans l'histoire, et l'histoire est encore en marche, permet d'adresser un message clair qui consiste à dire que nous ne sommes pas prêts à céder. Ce message, nos compétiteurs doivent l'entendre à l'heure où nous sommes appelés à réapprendre une grammaire du rapport de force dans laquelle, évidemment, l'arme aérienne est un contributeur de premier ordre.
Voilà ce que je pouvais dire en introduction des échanges que je souhaite riches et dont je suis sûre qu'ils seront un jalon important. Je pense que la façon dont on travaille ensemble change et que c'est bien, que ça nous rend beaucoup plus efficaces. Je voulais juste dire un mot, puisqu'on m'a dit que des attachés de défense étaient présents dans la salle, pour les saluer et pour leur dire que leur rôle dans le développement de cette diplomatie aérienne et de l'espace, à la fois nos attachés de défense et les attachés de défense étrangers qui représentent nos partenaires aujourd'hui et nos alliés, est évidemment important et que nous sommes là pour les soutenir dans cette importante mission. Je vous remercie. Bien. Après ces ouvertures, on n'attend pas la première table ronde pour prendre de la hauteur. Je vais appeler sans plus attendre vraiment les membres de cette première table ronde. Je leur demande de me rejoindre pour qu'on puisse commencer. Bien, je vous propose de commencer cette discussion de cette première table ronde qui va nous amener peut-être à préciser les concepts. Alors, on le sait, Madame la Directrice Générale vient de l'exprimer, le sujet de la diplomatie militaire, en général, n'a pas été suffisamment mis en lumière. Il est mis en lumière depuis une date assez récente, ce qui veut dire qu'il a été dans l'ombre. Assez longuement. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il n'est pas, et on va en parler ce matin, il n'est pas naturel de penser la mission du diplomate et la mission du soldat ensemble. Alors de quelle manière peut-elle être articulée ? Ça c'est une autre question. Raymond Aron est souvent cité lorsqu'on aborde cette question. Il avait dressé les deux figures allégoriques du diplomate et du soldat dans ce qu'il appelait une conduite diplomatico-stratégique qui pour lui était naturelle. Mais ça n'est pas du tout pour tout le monde. On peut penser aux cultures stratégiques de certains de nos alliés, les Américains. Henry Kissinger disait par exemple, dans l'univers américain idéal, les diplomates restent en dehors de la logique stratégique et le personnel militaire achève sa mission au moment où la diplomatie reprend. Donc ici, une claire séparation. Et en fait, ça va au-delà de l'exemple américain. Et en fait, ceux qui doutent de la cohérence en fait d'un concept comme celui de diplomatie militaire, diplomatie aérienne, spatiale, en plus dans un milieu stratégique, sont assez nombreux. Pour d'autres qui ont travaillé sur les concepts, l'histoire, et on va en parler dans une minute, d'autres, au contraire, comme Aron, et par exemple Hervé Couteau-Bégari, pendant des années, ici, à l'école militaire, pensaient que ce sujet devait être approfondi, parce qu'il était naturel. Il était naturel pour comprendre vraiment la stratégie. À la demande du général Stéphane Abrial, qui à l'époque était chef d'état-major de l'armée de l'air, Couteau-Bégari avait commencé à défricher cette question de la diplomatie militaire et aérienne. Il nous donnait une définition de la diplomatie militaire qui est assez intéressante. L'utilisation des forces armées au service de la politique étrangère en dehors d'une logique de guerre. Et là, on a une ouverture sur autre chose que, par exemple, ce que Stephen George appelait la diplomatie coercitive. On a quelque chose de beaucoup plus large. Et dans cette première table ronde, c'est ce qu'on va essayer de peut-être questionner. Cette première table ronde, alors on n'est pas seulement sur les concepts, mais également sur l'histoire. On a devant nous un challenge qui est celui de la définition, peut-être stratégique et historique. Alors je vais me tourner sans plus attendre vers le premier intervenant, Tristan Dufesse. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce colloque. Vous êtes sous-directeur des secteurs stratégiques à la direction de la diplomatie économique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on pourrait ici commencer par se poser la question de la diplomatie dans ses déclinaisons interministérielles. Est-ce qu'on peut conceptualiser ça de manière unitaire ? Cohérente. Quel est votre regard de diplomate sur cette articulation, c'est ma première question, entre les relations extérieures militaires
et le travail de l'appareil diplomatique que vous connaissez, que vous pratiquez aujourd'hui. Merci, professeur. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de participer à cette discussion. Alors, l'approche conceptuelle que je vais vous proposer, en réalité, c'est une approche plutôt praticienne, puisque par mes fonctions, à la fois en poste à l'étranger, encore récemment à la DGRIS et aujourd'hui à la fonction qui est la mienne, je suis amené à décliner ces concepts, à interagir avec la fonction militaire et à essayer de rechercher ensemble, de manière collective, comment est-ce qu'on peut obtenir des effets. Donc le fil rouge de mon intervention, c'est comment la somme du diplomate et du soldat est supérieure à chacune de ces parties. Et donc, quand on regarde le contexte actuel, la Revue nationale stratégique de l'an dernier l'a bien évoqué, on est dans une évolution très rapide et durcie de l'environnement international pour laquelle ces séparations ou ce silotage ne peuvent plus fonctionner. On est dans une situation où nos compétiteurs stratégiques eux-mêmes ont une approche en continuum et nos alliés, nos premiers alliés, commencent à aborder également les choses suivant une approche en continuum. Quand on pense à la dissuasion intégrée américaine, c'est exactement ça. Donc le fonctionnement d'une diplomatie qui soit isolée de l'outil militaire, qui soit aérien, naval ou terrestre, ne peut plus fonctionner aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment que cette approche du partenariat entre la défense et la diplomatie, elle est à la fois en double miroir. C'est-à-dire qu'il y a un premier miroir qui est le rôle interministériel de l'ambassadeur, qui est à l'étranger l'équivalent du chef de l'équipe France, et qui donc à ce titre dispose de l'ensemble des leviers des relations intérieures et de la puissance, que ce soit la mission économique, le réseau culturel et de coopération et la mission de défense. Et donc à ce titre dispose de la latitude pour juger de comment articuler ces leviers les uns avec les autres. Et le deuxième miroir, c'est évidemment la manière dont on conçoit la stratégie militaire aujourd'hui avec cette articulation entre le capacitaire, l'analyse et l'opérationnel. Et donc cette rencontre entre deux manœuvres d'articulation, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, mais ça permet d'avoir des effets intéressants et on est très heureux, je suis très heureux à titre personnel, mais je pense aussi que l'appareil diplomatique l'est dans son ensemble, de voir qu'aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace se dote d'un levier supplémentaire à ajouter pour la conduite des relations extérieures de la France. La première conséquence pratique dans cette conduite ensemble des partenaires internationaux, c'est cette approche qui a été défendue par le président de ce qu'on externalise notre souveraineté quelque part. Et donc ça, c'est un effort qui est diplomatique parce qu'on va voir nos partenaires étrangers, dont certains représentants sont présents aujourd'hui, pour leur dire, nous sommes vos voisins, nous sommes vos partenaires et nous voulons travailler ensemble pour assurer la sécurité collective. Donc on le fait au niveau diplomatique et on le fait évidemment au niveau militaire. Et notre capacité à démontrer qu'on peut projeter de la puissance, mais aussi notre capacité à transférer de la capacité militaire à nos partenaires dans les régions comme l'Indo-Pacifique est essentielle pour nous permettre de faire cette espèce de partenariat de souveraineté qui est en mesure d'assurer la sécurité de nos ressortissants, les 1,6 millions dont parlait la directrice générale à l'instant, dans l'Indo-Pacifique, mais aussi nos territoires. Le deuxième point, mais Olivier, si tu veux rebondir, je te laisse. On reste sur cette lancée. Voilà, donc c'est cette combinaison entre les armées, le ministère des Armées et les affaires étrangères, elle a plusieurs applications pratiques. Et le troisième point, ce sera des exemples. Donc les applications pratiques, c'est évidemment, quand on raisonne en matière d'appareils diplomatiques et d'appareils militaires, le premier levier, c'est d'identifier les menaces, les partenaires, et faire l'analyse de situation. Et donc la capacité de l'armée de l'air à projeter des atouts à l'étranger, et donc à rencontrer des interlocuteurs étrangers, ça leur renforce aussi sa capacité à analyser l'environnement qui est immédiat, et donc ça vient s'ajouter à la capacité d'analyse de l'ambassade. Et donc on a un échange analytique à développer là-dessus. Le deuxième point, c'est évidemment, on parle beaucoup d'influence, et donc la coordination et l'amplification des efforts d'influence, ça se fait en combinant les leviers. Donc quand on parle, évidemment, tout le monde connaît l'escale navale, l'arrêt d'un bâtiment dans un port étranger, avec le petit événement qui est organisé à son bord, qui permet de faire un moment informel pour les autorités locales, un moment de démonstration des capacités militaires françaises, mais aussi des capacités qu'on pourrait leur vendre à l'export, et évidemment d'utiliser cette présence pour montrer aux interlocuteurs de l'ambassadeur et de l'ambassade que la France est présente dans la région et peut être un partenaire fiable en cas de crise.
Le troisième point, c'est évidemment parce qu'on parle de l'espace aérien et spatial, sont des espaces communs. Et la gestion des espaces communs, c'est une gestion qui n'est pas seulement irénique aujourd'hui, puisqu'on le voit, il y a le triptyque compétition, contestation, affrontement qu'affectionne particulièrement le chef d'état-major des armées, qui se décline aussi dans l'espace et dans l'armée de l'air. Et donc, notre capacité à agir dans cet espace commun, elle doit se faire en combinaison entre la diplomatie et l'armée de l'air. Donc la diplomatie aérienne est un concept très intéressant de ce point de vue-là. Ça permet aussi une combinaison d'ailleurs des moyens. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Pégase cette année, le fait que la frégate Lorraine soit accostée à côté de l'atterrissage des Rafales, ça permet de démontrer à nos partenaires, je crois que c'était à Singapour, qu'on est en capacité, y compris dans une région éloignée, d'agir en interarmes et dans un fonctionnement conjoint qui n'est pas une capacité qui est donnée à tout le monde, et ça, c'est une démonstration de puissance en soi. Le dernier point, c'est évidemment quelque chose qui sera abordé plus en longueur dans la deuxième séquence, c'est-à-dire l'investissement du champ du secteur privé et notre capacité à la fois soutenir nos industriels et notre BITD, mais aussi identifier les espaces, et notamment l'espace aérien et spatial, où le secteur privé joue un rôle croissant avec possiblement un goulet d'étranglement de la souveraineté. C'est un point intéressant de la discussion quand on parle notamment de SpaceX et son rôle dans la défense de l'Ukraine. Ce sont des points intéressants. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais on pourra développer un petit peu les exemples dans la discussion. Voilà, merci beaucoup, Tristan. Je serais curieux, effectivement, mais on le verra peut-être tout à l'heure, dans cette sous-direction des secteurs stratégiques. J'avoue, je ne la connaissais pas. Est-ce que vous avez vraiment des analystes, des experts de la chose aéronautique, du spatial, de l'aérien, ou est-ce que ça repose sur des échanges avec les armées, réguliers ou non? On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Le diplomate et le soldat. Je me tourne, mon général, vers vous. Général Emmanuel Boiteau, vous êtes le directeur de cette belle maison, le César, et vous avez pris l'initiative de ce colloque. Donc je me tourne vers vous sur cette articulation entre la diplomatie militaire, la diplomatie au sens large, le contexte géopolitique, mais géostratégique évolue à une vitesse exponentielle. Dans ce contexte-là, comment les armées, comment l'armée de l'air s'adapte à ce nouveau contexte, et comment participe-t-elle de manière singulière au renforcement de cette diplomatie militaire en général? Merci Olivier, et merci à toutes et tous d'avoir rejoint le CESA pour cette conférence. Effectivement, j'aimerais tout d'abord insister sur les évolutions en fonction du contexte stratégique qu'il peut y avoir entre le monde diplomatique et le monde militaire. Traditionnellement, on présente un choix quasi binaire entre la diplomatie et l'emploi de la force. On a cité Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations. Il détermine que le diplomate et le soldat symbolisent les relations interétatiques qui comportent par essence l'alternative de la guerre et de la paix. L'incontournable Clausewitz, pour sa part, conçoit la guerre comme la continuation de la politique par d'autres moyens. Dans tous les cas, la relation est très forte entre les deux, puisque sans la puissance militaire, il n'y a pas de diplomatie efficace. La diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments, précisait Otto von Bismarck. Durant l'engagement français des 30 dernières années, caractérisé par des opérations de gestion de crise, on a une séparation assez nette ou un séquençage, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui est un peu moins évident entre ces deux mondes. On a une phase coercitive initiale et ensuite une approche qui a été longtemps mise en avant sur défense, diplomatie, développement, malgré un tempo très différencié entre ces 3D. Des exemples sont nombreux, hein, de déploiement de forces de stabilisation en zone de crise, avec des opérations de maintien de la paix dans la durée, où les militaires sont un peu mis au deuxième plan devant la diplomatie. Aujourd'hui, à l'heure d'une compétition stratégique renouvelée, où l'ordre international est remis en cause par l'utilisation décomplexée de la force par certains compétiteurs, une combinaison inédite de moyens d'action est nécessaire pour contrer des stratégies hybrides ou décourager un adversaire. Cette forme de confrontation permanente voit se déployer des alliances ponctuelles d'opportunités, souvent très différenciées par zone d'intérêt, et cette forme de complexité dans la confrontation est effectivement résumée par le triptyque compétition, contestation, affrontement, mais aussi par la création de la fonction stratégique influence annoncée par le président de la République. La sixième fonction, effectivement. Tout à fait, qui fait partie de notre stratégie. Les responsabilités des diplomates et militaires sont alors bien plus imbriquées dans cette stratégie complète. Je citerai quand même une réorganisation du ministère qui a été importante en 2015 avec la création de la DGRIS,
qui est chargé de la diplomatie de défense, mais aussi d'élaborer des positions stratégiques avec le quai. C'est sur des sujets très sensibles, comme par exemple l'architecture de sécurité, ou comme on l'a dit en ouverture, sur la défense aérienne et antimissile européenne, avec la conférence du mois de juin. Dans un deuxième temps, je voudrais décrire les types de diplomatie militaire qui peuvent être mis au service de la nation, sans inciter spécialement sur Ahmed Lair, hein, puisque là je me place au niveau de la défense en général. Et au-delà des partenariats militaires opérationnels qui ont principalement un objectif militaire, on peut distinguer la diplomatie militaire coopérative. On connaît tous la coopération structurelle permanente pilotée par la direction de la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay. Elle peut être complétée par la relation internationale militaire qui mène pour sa part la coopération opérationnelle. Et on peut avoir une complétude des deux. Je citerai par exemple ce que j'ai vécu à Djibouti avec des accords de défense dans la durée, des coopérants, mais aussi des formations ponctuelles pour former les contingents djiboutiens qui étaient engagés dans la MISOM en Somalie. Donc on parle, pardon, en général, mais souvent de réseaux diplomatiques. Les réseaux diplomatiques, les ambassades. La DGRIA, c'est une très belle carte des attachés de défense. Hein. À jour, j'engage chacun à aller la voir, c'est assez parlant. Il y a aussi le réseau des bases. Vous évoquez votre expérience à l'étranger. Ce réseau des bases, il est fondamental. Est-ce qu'on croise les réseaux ? Réseau des ambassades, réseau des attachés, réseau des bases, le militaire, le diplomate. Est-ce que c'est cette dimension que vous... Oui, ça fait partie. Alors, il n'y a pas que les bases prépositionnées. On peut ajouter aujourd'hui tout un réseau de points d'appui. Hein. C'est un concept qu'on n'a pas encore formalisé sous l'acronyme RAPAS, mais j'y tiens beaucoup. C'est un réseau aérien de points d'appui, de coopération et d'engagement. Et le sous-texte est intégré également par les apports qu'on a à avoir des bases aériennes où le MRTT est un avion connu, la 400 est un avion connu, voire le Rafale. Donc ce réseau, il prend une dimension tout à fait nouvelle et effectivement, il vient compléter un réseau diplomatique qui est le deuxième du monde qui est quand même très important. L'imbrication entre les deux domaines, je pense qu'elle est bien symbolisée par ce qu'a rappelé le président de la République dans le discours des ambassadeurs fin août dernier. Il a cité la remise en cause progressive de l'ordre international qui nécessite de réinvestir la diplomatie française. Il était nécessaire de réarmer la diplomatie après presque 3 décennies de baisse d'effectifs. Et puis en parallèle, nous avons mis en place un outil militaire plus crédible encore. Nos armées ont toujours été fortes et solides. Donc je pense que ce discours aux ambassadeurs, où le domaine défense est toujours présent, il illustre tout à fait ce complément entre le diplomate et le militaire. Je voudrais quand même, dans un troisième temps, souligner les atouts de la diplomatie militaire d'aujourd'hui, en expliquant que nos messages stratégiques, le signalement stratégique, il peut aller vers des auditoires très variés. Donc on l'a dit tout à l'heure, il va tout d'abord vers nos compétiteurs. C'est quand même important de montrer où sont nos centres d'intérêt, où sont les points du droit international que nous défendons. Hein. On parle beaucoup de liberté de navigation, mais ça s'applique dans le domaine aérien comme maritime, bien entendu. On en parle souvent en mer de Chine, par exemple. C'est vers nos partenaires et alliés également, sous l'angle de l'interopérabilité du leadership, avec des mesures de réassurance dont on a parlé tout à l'heure, avec le déploiement Aigle ou nos systèmes solaires moyenne portée déployés en Roumanie. Et enfin, vers nos concitoyens, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est quand même très important. Je pense que l'enchaînement sur 4 ans d'exercices dans l'Indo-Pacifique montre la continuité territoriale et la défense du citoyen, qu'il soit métropolitain ou ultramarin. Je voudrais aussi insister, avant de passer la parole à Jacques, sur la spécificité de la diplomatie aérienne, sur les caractéristiques propres l'agilité que ça donne aux décideurs d'avoir un outil de diplomatie militaire. Le premier, c'est une très grande réactivité. Hein. Nous avons des contrats opérationnels avec des délais de mise en œuvre qui sont très rapides, qui correspondent aux besoins du tempo politique. Il faut le souligner, aujourd'hui, la vitesse, c'est quand même important vu la complexité des relations internationales. Une capacité d'élongation forte et qui complète un prépositionnement qui permet parfois de contourner le déni d'accès. Pardon, au général, mais simplement pour être clair, là, vous parlez pour les armées, pas seulement pour l'armée. Je parle en général pour les armées. Pour l'armée de l'air, parler de l'ensemble du dispositif. Tout à fait. Ouais. Je me place dans cette partie sur la diplomatie et la défense en général. La projection de force et de puissance avec une grande réversibilité, même si effectivement, c'est souvent l'armée aérienne qui est... La plus rapide à déployer, une forte visibilité ou alors une discrétion selon les besoins,
et puis un format national ou en coalition ad hoc, hein, dans des formats que vous connaissez bien, OTAN, UE ou encore Initiative Européenne d'Intervention qui rassemble les nations capables et volontaires. Donc tous ces leviers, ils démontrent que la version contemporaine de la diplomatie de la canonnière, elle est beaucoup plus subtile qu'auparavant et très variée. Et au-delà des 80 000 tonnes de diplomatie, je regarde nos deux amiraux, qui sont dans l'esprit de chacun, il y a maintenant une large palette d'effets disponibles et qui répond parfaitement au tempo politique, en particulier avec l'arme aérienne. Voilà, donc pour conclure, il n'y a rien d'impossible à concilier aujourd'hui les termes diplomatie et militaire. Et je citerai le grand aviateur et résistant Romain Gary, compagnon de la Libération, qui fut 17 années diplomate, tout en restant très critique sur les limites de la diplomatie de sa génération. Il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. Merci. Merci, mon général. La question est bien ouverte, effectivement, diplomate et soldat. Et on avait passé un accord diplomatique, tous les quatre, et moi, 10 minutes chacun. Jusque-là, le traité n'est pas rompu. On est dans les temps. Et je vais passer la parole à Jacques Dubourg. Bonjour. Vous êtes conseiller politique et militaire du major général de l'armée de l'air et de l'espace. Dans la fonction influence, peut-être qu'on a négligé ces dernières années de réfléchir à cette influence qui est générée par ce qu'on appelle les POLADES, les légades, pas seulement à l'extérieur, pas seulement dans les structures multilatérales de défense à l'extérieur, mais également le rôle qu'ils jouent en interne. Vous incarnez ce croisement, finalement, entre le conseil politique, la spécificité militaire dans l'armée de l'air. Et à votre poste, je crois que vous travaillez sur la transformation stratégique de l'armée de l'air. Alors je vais tout simplement vous demander éventuellement de compléter, de mettre en perspective ce qu'a tracé le général Boiteau. Comment est-ce que ça peut s'incarner plus spécifiquement avec l'armée de l'air et de l'espace, cette diplomatie aérienne et spatiale, ce concept de diplomatie aérienne, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il revient au goût du jour aujourd'hui? Pourquoi est-on rassemblé aujourd'hui, alors que je peux en témoigner, hein, pendant 15 ans en recherche stratégique, à l'école militaire ou ailleurs, ce n'était pas vraiment une priorité, en réalité, conceptuellement. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça devient important maintenant? Quel est votre regard sur ce tempo? Merci. Oui. Merci beaucoup. Je suis également très heureux d'être là aujourd'hui et de prendre la parole sur ce sujet. Alors, peut-être avant de répondre au pourquoi ce sujet vient au goût du jour aujourd'hui, je voudrais rappeler un peu quelque chose qui est une évidence, mais le rôle d'abord de l'armée de l'air, c'est de mener des opérations et c'est de faire la guerre, la préparer, en tout cas. Donc ça, c'est quand même le cœur de métier. Et c'est vrai que si on parle aujourd'hui de diplomatie aérienne, il faut savoir que les aviateurs sont d'abord formés pour permettre de mener ces opérations aériennes et de produire des effets militaires. Bon, une fois qu'on a dit ça, je suis quelqu'un qui suis persuadé qu'on est quand même assez marqué par des strates historiques et sociologiques. Et je pense dans ce sens que le grand siècle a été un siècle déterminant pour la France. Avec Pierre de Fermat, avec Descartes et avec le nôtre. Et on est quand même dans un monde où, en tout cas les Français, hein, on est quand même une nation d'ingénieurs, je pense, où on aime bien les classifications, on aime bien que chacun tienne son rôle. Voilà. Or, les relations internationales, c'est peut-être plus souvent le jardin à l'anglaise ou la jungle. Et donc, comment est-ce que les aviateurs qui sont... de l'armée française, qui sont des Français, qui participent à cette nation d'ingénieurs, comment est-ce qu'ils arrivent à changer de paradigme et à prendre une place dans les relations internationales aujourd'hui, et comment est-ce qu'ils arrivent, sans perdre leur identité et leur rôle, qui est de conduire des opérations militaires, comment est-ce qu'ils arrivent à porter un message diplomatique et à incarner cette diplomatie aérienne? Alors, elle revient au goût du jour aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Il y a effectivement les missions Pégase et leur récurrence en Indo-Pacifique. Il y a une impulsion qui est donnée par le chef d'état-major de l'armée de l'air dans la prise en compte de cette diplomatie aérienne. Il y a également un changement capacitaire avec le triptyque A400M, MRTT et Rafale, qui permet quand même des élongations beaucoup plus marquées et une autonomie. Et puis il y a le changement stratégique du monde qui montre le recul aussi ou la mise en cause de l'influence occidentale, de l'influence française et la nécessité pour nous de nous positionner peut-être différemment.
Alors, la diplomatie aérienne, elle implique pour l'armée de l'air, que je pratique depuis peu longtemps, avec encore un regard un peu extérieur, elle implique des changements de paradigme importants. D'abord, un changement dans le rapport à soi. C'est-à-dire que pour les aviateurs, comme je disais, ce qui est naturel, c'est de conduire des opérations, c'est de préparer des opérations. Ce n'est pas nécessairement, une fois que le Rafale ou l'avion est posé, de prendre du temps pour aller discuter avec son collègue étranger et aller faire un glouch à l'ambassade ou aller à un colloque. Ce n'est pas nécessairement dans l'ADN initial. Donc ça demande un changement dans le rapport à soi qui est important pour passer voilà, un peu de cette logique de jardin à la française au jardin à l'anglaise, si je peux faire cette image. Le deuxième changement de paradigme, c'est dans le rapport à l'autre. Parce que quand vous faites de la diplomatie aérienne, alors quand vous faites de la préparation de missions, d'opérations, vous êtes obligé de connaître un peu l'autre, mais vous travaillez sur l'interopérabilité, donc on essaye finalement d'avoir des points communs. La diplomatie, c'est aussi connaître les différences de l'autre. Donc ça nécessite de connaître le pays un peu mieux où on va, d'apprendre finalement un peu plus de la culture dans laquelle on va faire une escale, et donc voilà, de s'informer davantage de notre partenaire et de ses attentes. Ça, c'est le deuxième changement de paradigme. Et le troisième changement de paradigme, qui est un peu un paradoxe pour l'armée de l'air. L'armée de l'air, c'est l'armée de la fulgurance. C'est aller vite et loin, ça a été dit auparavant. Et dans la diplomatie aérienne, le changement, il est dans le rapport à l'espace et au temps. Finalement, la diplomatie aérienne, c'est prendre le temps de se poser. C'est prendre le temps donc d'avoir un rapport à l'espace qui n'est pas celui du survol, mais qui est celui où on va s'arrêter, et un rapport au temps où on va prendre le temps d'aller à un colloque, si on parle de la mission Pégase 2023, à Singapour ou en Indonésie. On va prendre le temps des échanges. Et donc ce rapport au temps et à l'espace est également un changement important pour l'armée de l'air. Vous voulez dire qu'il faut ralentir ? Rapport à soi, rapport à l'autre, rapport à l'objectif, rapport à l'espace-temps, il faut ralentir. On n'est pas un peu loin de la culture de l'armée de l'air ici ? Est-ce que c'est naturel ? Alors, c'est pas naturel, mais l'avantage, je veux dire, de l'armée de l'air, c'est que c'est une armée d'innovation. Et je pense que la diplomatie aérienne, c'est une innovation. Alors, il y a des innovations technologiques, ça, on sait que tout le monde les connaît, mais là, c'est une innovation de posture. Et l'armée de l'air, elle a cette capacité à changer, moi que je vois au quotidien, et cette capacité à se réarticuler et à faire preuve d'agilité, à la fois intellectuelle et technologique. Et donc je pense que la diplomatie aérienne, c'est pas pour rien que c'est porté par l'armée de l'air, entre autres. Je pense qu'il y a un champ peut-être plus large qui est celui d'une diplomatie aéronautique, qui inclut aussi le monde civil. Mais il y a cette capacité à changer, je pense, qui est inhérente aux aviateurs qui sont... l'armée de l'innovation par excellence. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité d'évolution organique, éventuellement, liée à cette montée en puissance, éventuellement, de la diplomatie aérienne, de la diplomatie spatiale. Vous travaillez, je crois, sur les... Je ne sais pas s'il y a un changement organique qui est nécessaire, parce que souvent, on pense que c'est un changement des organisations qui conduit. Pas nécessairement. Je pense que déjà, il y a un changement de posture, il y a un travail sur la formation, sur... la conception des missions, et ça se fait, et le changement se voit au quotidien. Je pense que le général Le Bouil reviendra dessus avec sa mission. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, et c'est en train de... notre présence aujourd'hui en témoigne, je pense. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et pour compléter, avant de passer aux questions et aux échanges avec la salle, je vais me tourner, merci beaucoup, vers le dernier intervenant, Pascal Dupont, commissaire général Pascal Dupont. Vous êtes docteur en droit, secrétaire général de la Société française de droit aérien et spatial. Et le sujet que vous allez aborder, celui des ponts aériens, qui a été évoqué tout à l'heure par Alice Ruffo, va nous permettre, alors sous un aspect historique, mais un peu d'incarner, de socler ce qui vient d'être évoqué à trois voix. La diplomatie aérienne, elle n'est pas née hier, elle s'est incarnée, elle s'est déployée dans l'histoire,
dans le conflit, dans la crise, dans la paix. Et le pont aérien est un très bon exemple à la fois des limites et puis aussi du potentiel de cette diplomatie aérienne. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Qu'est-ce que finalement ce type d'opération recouvre sur le plan logistique, sur le plan humanitaire? Est-ce que vous pouvez nous remettre en perspective ces ponts aériens? Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc si la diplomatie aérienne peut être définie comme l'emploi des moyens aériens en soutien d'une politique étrangère, je crois que incontestablement les ponts aériens en sont une exacte illustration. Alors selon certains analystes, le premier pont aérien aurait eu lieu à Kaboul en 1928-1929, lorsque la Royal Air Force a organisé l'évacuation de plusieurs centaines de diplomates et leurs familles vers l'Inde. Le même scénario s'est d'ailleurs reproduit avec l'évacuation des ressortissants de la communauté internationale, on s'en souvient, à partir du 15 août 2021, lors du retour des talibans au pouvoir. Je propose d'illustrer ce thème avec les exemples des ponts aériens de Berlin en 1948, Sarajevo en 1992, Madame la directrice en a parlé en introduction, et Khartoum en 2023, parce que ces opérations ont en commun d'avoir été mises en œuvre exclusivement ou quasi exclusivement avec des moyens militaires, et aussi parce que l'armée de l'air et de l'espace y a joué un rôle très important et souvent méconnu. Le pont aérien de Berlin, qui est une opération logistique donc au début de la guerre froide. L'ancienne capitale du Reich est occupée depuis 1945 par les Soviétiques, les Américains, les Britanniques et les Français qui ont partagé donc la ville en quatre secteurs. En 1948, les anciens alliés sont divisés en deux camps, occidentaux d'un côté et soviétiques. Soviétiques qui organisent le blocus de Berlin-Ouest en fermant le 24 juin ses accès terrestres et fluviaux. Accès terrestres et fluviaux qui commandaient bien sûr le ravitaillement et la liaison avec le monde extérieur. Il ne reste donc que la solution des trois couloirs aériens reliant la ville avec l'Europe de l'Ouest pour la ravitailler, les trois couloirs aériens qui avaient été organisés par les accords d'armistice. Début juillet, les Occidentaux pensent pouvoir acheminer environ 1400 tonnes de fret par jour, alors qu'il en faudrait 4500 pour permettre aux Berlinois de survivre. Berlin, à l'époque, c'est la moitié de la population donc de la première partie du XXe siècle, avec 2 millions de personnes, au lieu de 4 millions, 4 millions et demi, dont une majorité de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Les aéronefs doivent transporter des vivres et des matières premières, principalement du blé, du charbon, de l'essence et des médicaments. Le pont aérien va utiliser 3 aéroports, ce qui va permettre d'augmenter la rotation des vols, et vous l'avez cité, Madame la directrice, au plus fort de l'opération, donc imposé toutes les minutes. 3 aéroports, Tempelhof dans le secteur américain, Gatow dans le secteur britannique et Tegel dans le secteur français. Donc Tegel, qui est un aérodrome, enfin ce qu'on appelait un champ d'aviation, lorsque débute l'opération, et il va y avoir la construction d'une piste en dur à partir du 5 août 1948, qui va durer 3 mois, grâce aux efforts combinés d'unités françaises du génie et de la population berlinoise, qui vient prêter main forte à l'opération. À la fin du blocus, les Alliés ont effectué plus de 270 000 vols, et plus de 2 millions de tonnes de fret ont été acheminées. Le succès du pont aérien précipite aussi la conclusion en avril 1949 du traité de l'Atlantique Nord, qui donne naissance à l'OTAN, que rejoint l'Allemagne de l'Ouest, fondée la même année. Les couloirs aériens reliant Berlin au reste du monde auront constitué une ouverture dans le rideau de fer entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, qui va perdurer donc jusqu'à la chute du mur en 1989. Par ailleurs, et c'est peu connu, l'armée de l'air a assuré la responsabilité de l'aéroport de Tegel et de la base aérienne 165 jusqu'en 1994. Deuxième exemple, Sarajevo, une opération humanitaire conduite par l'ONU. Au cours des guerres de l'ex-Yougoslavie, Sarajevo a été assiégé pendant 3 ans par les forces serbes depuis les hauteurs de la capitale de la Bosnie. Au total, 12 000 morts, dont 1 500 enfants. Après la création de la Force de protection des Nations Unies, la FORPRONU, le Conseil de sécurité a instauré une zone d'exclusion aérienne,
suivi par la réouverture de l'aéroport de Sarajevo, qui est devenu inutilisable par suite des combats, mais qui est tenu, protégé et contrôlé par le contingent français. Sous la menace des armements solaires et des snipers de l'armée serbe, les aviateurs y assurent le transport quotidien de 200 tonnes de fret livrées par des avions cargo tactiques Transal, Hercule, américains, allemands, anglais, canadiens et français. Entre juillet 92 et la fin 95, le Haut Comité des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a coordonné l'acheminement de 160 000 tonnes de vivres, médicaments et autres produits de première nécessité à Sarajevo, dans ce qui est le plus long pont aérien jamais mis en œuvre par l'ONU et qui est considéré comme une des plus importantes opérations humanitaires de la fin du XXe siècle. Les incidents ont été nombreux. Le plus grave fut l'attaque par un missile solaire d'un G-222 italien en septembre 1992 et la mort de ses quatre occupants. Beaucoup d'équipages ont parfois senti des balles percuter leur cockpit et même le dessous de leur siège blindé, ce qui confirme bien qu'un avion de transport militaire est un aéronef de combat. La reprise du trafic aérien civil est intervenue en 1996 et l'armée de l'air donc disposée d'un détachement air donc sur l'aéroport de Sarajevo, un déter qui donc, a été en activité jusqu'au 31 décembre 2002. Enfin, troisième exemple, Sagittaire, donc l'opération d'évacuation des ressortissants du Soudan vers Djibouti cette année. Cette opération d'évacuation de ressortissants français, européens et internationaux a été lancée suite à l'aggravation du conflit armé qui ravage le Soudan depuis plusieurs décennies. Dès le 18 avril, quatre avions de transport de l'armée de l'air et de l'espace, trois A400M et un C-130, quittent la France avec à leur bord des véhicules et des renforts militaires afin de rejoindre les forces françaises stationnées à Djibouti, les FFDJ, chargées de commander la manœuvre générale qui est interarmée, interalliée et internationale. Il existe à Djibouti, rappelons-le, une présence aéronautique militaire française continue depuis 1932 avec la base aérienne 188 Colonel Massard. Du 22 au 26 avril, le pont aérien mis en place entre Khartoum et Djibouti, puis l'évacuation réalisée par la frégate Lorraine au profit de l'ONU, ont permis de mettre en sécurité plus de 1000 personnes de 84 nationalités, dont 255 Français, évacués par 8 rotations d'A400M et 2 de C-130. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces trois exemples. Tout d'abord, l'importance des plateformes aéroportuaires, sans lesquelles aucune opération n'est possible, qu'il s'agisse de la piste, de son environnement, du contrôle aérien, de la fonction transit et de la protection. Qu'il s'agisse aussi de l'aéroport de Berlin, du détachement air de Sarajevo ou de la base de Djibouti, l'armée de l'air et de l'espace disposait d'une plateforme placée sous sa responsabilité directe. Deuxième conclusion, le rôle incontournable de l'avion tactique, apte aux évolutions en zone de combat et aux interventions en urgence, comme au Soudan très récemment. Et enfin, la participation active de l'aéronautique militaire aux relations internationales, dont elle est un acteur incontournable, que ce soit pour des exercices, on a parlé, je pense qu'on reparlera de Pégase, des coalitions ou des opérations humanitaires. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Pascal Dupont. Le sujet que vous venez de traiter les uns et les autres, et je vais ouvrir immédiatement sur les questions, on a 12 minutes, 15 minutes, et les questions sont importantes pour compléter, parce que finalement, on avance bien, Tristan Dufesse, vous nous montrez qu'en fait, il est parfaitement naturel pour vous d'articuler les dimensions militaires et diplomatiques dans le cadre de ce qui est, chez vous aujourd'hui, la diplomatie économique, puisque c'est le nom de la direction dans laquelle vous travaillez en prospective. Le général Boiteau a montré l'effectivité de la diplomatie militaire, au sens large, mon général, en interarmée, effectivité ancrée
et correspondant aux évolutions de la situation internationale. Et enfin, Jacques Dubourg, pour l'armée de l'air et de l'espace, ici, montre que cette armée de l'air et de l'espace, elle est prête à prendre en compte, si je vous ai bien suivi, non seulement la conceptualisation, mais également en fait, l'incarnation de cette fonction essentielle, de plus en plus essentielle. Et là, on revient toujours à l'aggravation, et en France, on le voit, malheureusement, de manière très brutale, ces derniers mois, du contexte stratégique. Et puis, cher Pascal, tu nous as illustré non pas seulement des vignettes historiques, mais en fait la permanence dans le temps jusqu'à cette année 2023 Sagittaire d'une fonction en fait que l'armée de l'air est habituée à mener, à incarner. Donc on a les bases d'une conceptualisation, on a les bases éventuellement peut-être, je ne sais pas, d'une doctrine, encore que ça c'est une autre affaire, mais il reste des questions. Il reste des questions, peut-être des points d'articulation, on peut davantage interroger. Et justement, je vais me tourner vers la salle à présent pour sur cette première table ronde qui a posé les problématiques, peut-être avec votre participation, eh bien aller plus loin, approfondir cette dimension. N'hésitez pas à vous lever la main. Très bien, et il y a un micro qui va se balader. Bonjour, je ne m'attendais pas à être le premier. Alors, pardon, vous demanderez à tous et à toutes de vous présenter très rapidement, très rapidement, et ensuite de poser votre question. Merci beaucoup. Donc, docteur Benjamin Cariot, ancien conseiller médical de l'OTAN à Bruxelles. Et je voulais juste apporter une modeste contribution au travail conceptuel sur la diplomatie aérienne en parlant de diplomatie médicale aérienne ou alors diplomatie aérienne médicale, ça, le débat est ouvert. Et à l'exemple de ce qui s'est passé très dernièrement, le déploiement de l'hôpital de la sécurité civile, l'ESCRIM, en Cyrénaïque, qui n'aurait pas pu être réalisé sans l'armée de l'air. Juste pour mentionner que l'armée de l'air maintenant est devenue un élément fondamental de la diplomatie médicale, mais aussi la médecine, la diplomatie du bistouri, peut être considérée comme un faire-valoir pour la diplomatie aérienne, puisque ce sont souvent les premières images que l'on voit lors d'un déploiement médical. Ce sont des avions cargo. Merci beaucoup. Voilà effectivement une fonction. On a vu à quel point cette diplomatie médicale, même en dehors d'une simple diplomatie humanitaire, dans le cadre de la crise du Covid-19, pouvait être importante, avoir un impact positif du point de vue de l'influence, de l'image, effectivement, des pays qui ont les moyens de la mettre en œuvre. Et pour ça, effectivement, l'armée de l'air, effectivement, voilà une brique importante. Je ne sais pas si l'un des membres de ce panel veut réagir ou bien on peut passer à une autre question. Mon général. Non, c'est un volet important et on peut citer aussi de longue date cette participation. Hein, je citerai le Pérou en 1970 où quatre Transals avaient été déployés. Donc c'est quand même une tradition de longue date et on a vu la réactivité que ça pouvait apporter avec effectivement les inondations à Dera et un A400 qui a déployé l'hôpital tout récemment. Ce volet international dans toutes nos opérations, il est primordial et pour revenir sur Khartoum. Le choix a été fait d'évacuer des ressortissants d'autres nationalités et donc c'est plus de 80 nationalités parmi les 700 étrangers qui ont été évacués grâce à la France. Voilà. Juste insister sur ce volet. Merci mon général. Donc une autre brique finalement dans ce qui ne devrait pas être simplement une addition en fait, de fonctions ou de briques mais peut-être une unité, finalement, cette diplomatie aérienne, cette diplomatie spatiale. Donc l'un des enjeux, hein, mais on ne le fera pas aujourd'hui, ça ne sera pas épuisé, c'est cette conception unitaire peut-être, à la fois dans ce milieu particulier et puis en général, au niveau militaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être remarques d'ailleurs sur ce sujet? Oui. Oui, merci. Ça fonctionne? Oui. Oui. Je suis le colonel Cole Combet de l'état-major des armées. J'ai une question spécifiquement pour le commissaire général Dupont. Au sujet des ponts aériens, une question qui me paraît fondamentale, c'est de s'interroger pourquoi est-ce que des ponts aériens ont été possibles, alors que techniquement ils sont plus compliqués qu'un pont terrestre ou fluvial. Comment ça se fait que ces ponts aériens aient pu être possibles alors qu'il y avait un blocus, notamment autour de Berlin? Est-ce que c'est parce que, alors on comprend bien que bien sûr parfois la géographie commande et que... il faut remarquer que beaucoup de nos opérations se font dans des territoires qui sont dits enclavés. Mais est-ce que ce sont des questions de droit? Est-ce que c'est parce qu'il est plus difficile de contrer un point aérien qu'une opération terrestre?
Quel est votre regard là-dessus? Merci, mon général. Alors, c'est en fait une utilisation des accords d'armistice de 1945, parce que la paix donc, en Allemagne, donc c'était bon, traduite par la division de l'Allemagne en deux camps, Berlin, l'ancienne capitale, donc placée en Allemagne de l'Est, et avec trois couloirs d'accès utilisables par les aviations militaires des Alliés. En fait, les trois couloirs aériens étaient à l'usage des Américains, des Britanniques et des Français. Comme le pont aérien a été mis en œuvre avec des avions militaires, c'était une interprétation des accords d'armistice. Donc une audace diplomatique et un succès logistique certain, puisqu'il faut se rappeler, l'emport des cargos était très faible à l'époque. Donc c'est une interprétation des accords d'armistice, un coup de poker dont les retombées sont considérables, puisque je le rappelle, un an après, c'est la République fédérale d'Allemagne qui voit sa naissance. Merci beaucoup cette réponse. D'autres questions? Oui. Madame. Est-ce que oui. On va passer le micro, oui, juste devant ici, si c'est possible. Non. Bon, peut-être en attendant, je vais poser une question. Le micro arrive. Passerait bien le mien, mais un peu éloigné. Par là-bas, juste là, le bras. Merci. Et là-bas. Merci. Nathalie Tingeot, Agence spatiale européenne et réserviste de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez parlé, monsieur le sous-directeur, de goulet d'étranglement de souveraineté en faisant référence à SpaceX et j'imagine aux super empowered individuals. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée et évoquer les autres risques de l'inclusion des acteurs privés dans les opérations spatiales? Merci. Merci pour votre question. J'ai parlé effectivement de ce champ et de cet espace commun où les normes et les règles qui sont normalement définies par les États sont aujourd'hui concurrencées par la norme industrielle, notamment sur les débats que vous connaissez très bien sur le format des lanceurs. Cet enjeu, il est effectivement sur la répartition entre le régalien et le privé dans l'utilisation de l'espace, ne serait-ce que pour les fréquences, mais aussi pour les couches atmosphériques. Évidemment, il y a aussi un enjeu normatif qui est essentiel et notre capacité à réguler le trafic aérien et spatial et ne pas le laisser uniquement à la main du secteur privé. Alors, je vais prendre l'exemple, puisque vous m'en donnez l'occasion, de l'exercice de défense spatiale Astérix et de son impact, puisque c'est un exercice conjointement organisé par le CNES et le commandement de l'espace, et son impact sur la diplomatie au sens large. Cet exercice de défense spatiale a permis de sensibiliser nos partenaires européens, en fait, et y compris au sein de l'ESA, sur les positions françaises en matière de gestion du trafic spatial et de la connaissance du domaine. Donc c'est un bon exercice d'influence qui a été adressé aux partenaires européens qui étaient invités et qui a sans doute aussi contribué à ce qu'on a pu après décliner durant la présidence française de l'Union européenne en termes de texte. Et l'autre aspect qui revient plus exactement sur la dimension coopération militaire, ça a rempli une fonction de formation et de renforcement des capacités de nos partenaires. Et donc, si on veut ouvrir plus largement, la question qui va se poser, c'est les nations spatiales émergentes et comment est-ce qu'on se raccroche de leur position, et que ce soit dans les instances multilatérales, à la conférence du désarmement, au comité des usages pacifiques de l'espace, mais aussi, comme vous le soulignez justement, à l'égard du secteur privé et définir des codes de conduite communs au niveau régalien qui puissent s'imposer à ces acteurs privés et éviter une privatisation de cet espace commun. Voilà. J'espère que la réponse vous convient. Il y a un triptyque qui émerge effectivement ici, le soldat, le diplomate, comme dirait Aaron, mais ça c'était avant, et l'entrepreneur. Et l'entrepreneur avec un ensemble de questionnements, effectivement. Je vais prendre une dernière question avant qu'on ne passe à une pause café de 10 minutes, mais avant, on finit ce tour, vous en prie. Oui, merci, Jean-Christophe Noël, je travaille ici à l'école militaire. J'aurais questionné un petit peu la conceptualisation du terme, on voit qu'il est très lié à l'influence. Il était un temps où on parlait par exemple de diplomatie du jaguar, de diplomatie coercitive, etc. Donc quelle est la limite haute de ce terme? Diplomatie du jaguar, c'était quoi? On envoyait des avions de chasse dans un endroit où il y en avait très peu et on voyait que ça avait un impact très fort localement.
la guerre du Kosovo. Est-ce que c'est de la diplomatie? Est-ce que c'est de la guerre? Donc on voit bien qu'on est dans un entre-deux. Ce n'est pas tout à fait de la diplomatie, c'est plus tout à fait de la guerre. Est-ce que c'est de la diplomatie aérienne? Est-ce que c'est autre chose? Donc pour vous, où fixez-vous cette limite haute? Alors vous parlez surtout de diplomatie aérienne comme une influence, en fait. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? La visibilité d'un certain nombre de matériels, on en arrive à parler de diplomatie du Jaguar, effectivement. Aujourd'hui, le contexte a peut-être un peu changé. Mon général? Oui, enfin, c'est un peu ce que je voulais souligner dans mon intervention, c'est que c'est maintenant le besoin de combiner tous les leviers disponibles pour faire face à la compétition stratégique qui est permanente. Là, c'est vrai qu'on se plaçait dans des zones géographiques avec des enjeux très, très, très clairs et très maîtrisés depuis le départ, où on pouvait utiliser un levier séparément d'un autre. Je pense que c'est tout l'enjeu aujourd'hui avec la continuité compétition, contestation, affrontement et puis la simultanéité en fait, d'alliances qui sont très diverses. Hein. Si on prend les Turcs et les Russes dans le nord de la Syrie ou en Libye, ils n'ont pas du tout les mêmes rapports. Donc je pense qu'à l'heure de cette complexité, c'est là où il n'y a pas de limite et il n'y a pas de menant ou concourant, un peu, comme on pourrait dire, et où il faut absolument que tous les leviers s'intègrent dans la stratégie nationale. Oui, et puis à l'époque, la question de Jean-Christophe Noël, c'est aussi une question de transposition historique, me semble-t-il, en général. À l'époque, trois Jaguars pouvaient avoir un impact dans une zone que vous définissez comme une zone en fait lacunaire, en termes de présence, de capacité du haut du spectre. Aujourd'hui, on va vers une saturation. Saturation pas seulement en termes d'avions chinois, américains, russes, turcs qui sont sur place, mais également en termes de drones. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution en termes de dilution, finalement? Est-ce qu'on n'est pas obligé, dans cette diplomatie aérienne et spatiale du futur, de remettre de la masse, d'envoyer des moyens qui seront massifs pour espérer avoir un impact, pour espérer avoir une image? C'est une question, alors on peut la traiter en la pause café, on peut également, effectivement, éventuellement l'ouvrir. Je ne voudrais pas vous séparer d'un café bien mérité dans deux minutes. Non, je vais juste compléter en disant qu'effectivement, on peut passer du symbole d'une projection comme trois rafales quelque part aujourd'hui, hein, 10 rafales dans l'Indo-Pacifique en 48 heures, on voit qu'on est sur une capacité militaire et là il faut de la masse. Et pour revenir sur l'Afrique ou d'autres zones qui étaient lacunaires, il y a eu une prolifération de systèmes aériens qui font qu'aujourd'hui, c'est dans la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, nos compétiteurs peuvent armer certains pays avec une puissance aérienne du pauvre. Et donc, la dimension aérienne et spatiale, aujourd'hui, elle est indispensable partout. Aujourd'hui, vous avez des chasseurs au Mali, vous avez, etc. Donc, il y a les drones qui ont pris une part aussi importante. Donc, la maîtrise de la troisième dimension, ça ne se fait pas simplement avec quelques outils sommaires aujourd'hui, ça se fait avec de la masse et la supériorité aérienne est sujette à un besoin de la conquérir, de conquête de supériorité aérienne partout, quels que soient les compétiteurs en face de nous. Donc on ouvre en stratégie des moyens, on ouvre également sur les budgets, ça sera peut-être une des choses qu'on abordera tout à l'heure. Pour le moment, je vais demander... Ah, non, juste un dernier mot. Compléter effectivement sur la question de la définition conceptuelle. Bon, on a défini les acteurs, on voit un peu quels sont les champs d'intervention, mais je reviens un peu à mon propos, on reste dans quelque chose qui est vraiment le jardin à l'anglaise, où tout n'est pas blanc ou noir. Voilà, on voit que nos compétiteurs agissent dans des zones grises et il faut aussi nous apprendre à nous adapter sans essayer, même si les mots et les concepts nous rassurent. Parfois, il y a un champ d'intervention qui n'est pas toujours, déterminé. Il faut être en mouvement, je crois, dans ce domaine. Bon, mais ces zones de recouvrement, merci beaucoup Jacques Dubourg. On va les traiter dans la deuxième table ronde. En attendant... On va passer en pause café pour 10 minutes. Je vous demande d'applaudir les interventions de cette première table ronde. Et nous nous retrouvons dans 10 minutes, s'il vous plaît, en amphi.
soir, c'était le désengagement d'une part du dispositif français présent au Soudan et également de sortir les derniers civils qui étaient encore dans la région. La situation change constamment et ça oblige du coup à s'adapter en permanence à notre environnement. Il faut prendre en compte en permanence la menace pour pouvoir effectuer la mission dans les meilleures conditions de sécurité. Voici le moment d'ouvrir la deuxième table ronde et donc d'explorer peut-être des exemples incarnés, concrets, non pas que ce qu'on a dit tout à l'heure ne l'était pas, mais on était dans une logique d'ouverture, peut-être de consolidation conceptuelle. On interroge effectivement ce qui est une notion, une idée, un concept à différents degrés, la diplomatie aérienne, la diplomatie spatiale. Et dans cette deuxième table ronde, je vous propose d'interroger de manière un peu plus approfondie et en liaison avec ce qu'est une politique de puissance, là, il va falloir également être peut-être précis, ce que peut être, ce que peut apporter une diplomatie aérienne et spatiale. Pas seulement en termes d'influence, pas seulement en termes de positionnement, on va dire, verbal, mais en termes de crédibilité dissuasive et peut-être même, sous certains aspects, coercitive, ce que peut apporter cette diplomatie militaire et particulièrement aérienne et spatiale. Donc, merci aux différents intervenants de nous avoir rejoints. Sans plus attendre, cette diplomatie aérienne et spatiale soutien d'une politique de puissance, on va l'illustrer immédiatement par la diffusion d'un petit clip, me semble-t-il, avant de commencer la table ronde.
Voilà, la fameuse mission Pégase, effectivement, une crédibilité politique dérivée d'une réactivité, d'une allonge et également d'une capacité d'interopérabilité, on l'a vu avec un certain nombre d'alliés. On va en parler dans un instant avec le général Le Bouil. Mais avant ça, effectivement, une opération n'est rien sans la connaissance d'un contexte géopolitique, géostratégique. Et je vais me tourner, monsieur l'ambassadeur, vers vous pour justement peut-être un éclairage. Puisque vous êtes l'ambassadeur pour l'Indo-Pacifique de notre pays, Marc Abinsour, qu'est-ce que l'on peut dire de ce contexte géostratégique? L'Indo-Pacifique pour la France aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Et finalement, de quoi parle-t-on? Et ensuite, effectivement, on verra cette incarnation de la diplomatie aérienne et spatiale. Je vous passe la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Mon premier point, ce sera de rappeler en effet que les armées, et je parle à la fois de la Marine nationale, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, les armées sont un contributeur, un acteur majeur et absolument structurant dans la mise en œuvre de la stratégie pacifique. Et sans faire tout l'historique, je me souviens de ce moment où, en effet, où le ministre de la Défense de l'époque a participé au Shangri-La Dialogue, donc le grand forum sur les enjeux de sécurité et de défense sur l'ensemble de l'Asie-Pacifique 2012, en insistant pour la première fois sur le fait que la France était une nation de l'Asie-Pacifique. Et depuis, je crois que c'est maintenant quelque chose qui est acquis pour l'ensemble des partenaires de la région, mais ce n'était pas complètement évident à l'époque. Et il y avait encore une méconnaissance de notre présence à travers nos territoires ultramarins. Donc il y a eu en effet une contribution majeure des armées pour asseoir notre légitimité en effet au sein de l'Indo-Pacifique. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est expliquer en effet le rôle des armées dans la mise en œuvre de notre stratégie Indo-Pacifique. Et à dessein, je serai un peu schématique, mais ça permet de fixer les idées. La première chose, c'est en effet que notre approche, elle a une singularité et que je caractériserai par trois choses. C'est le refus de la logique de bloc. Deux, c'est le fait que nous mettons en œuvre cette stratégie pour développer des partenariats de souveraineté. Et trois, c'est notre attachement sur la consolidation du système multilatéral et en particulier des organisations multilatérales au niveau régional. Et sur ces trois volets, les armées ont évidemment une contribution absolument essentielle. Alors, sur le premier point, le refus des logiques de bloc, je crois qu'on le retrouve à travers, en effet, cette notion qui a parfois suscité des débats, mais de notion de puissance d'équilibre. Sans rouvrir tous les débats, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'en effet, la France a un rôle majeur à jouer à travers son outil de défense pour contribuer au maintien des équilibres stratégiques dans un environnement stratégique, comme on l'a tous dit ce matin, qui est de plus en plus durci. Et donc, il y a en effet une contribution au maintien de la stabilité régionale. Et je crois que ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'on ne va pas mettre en priorité l'enjeu de l'alignement et la recherche d'alignement stratégique dans les modalités de notre présence au sein de l'Indo-Pacifique. Alors, quand on dit refus des logiques de bloc, comme vous savez, c'est à la fois la prise en compte d'un dialogue exigeant avec la Chine, mais c'est aussi le fait d'interagir en complémentarité, et j'insiste sur le terme de complémentarité, avec nos grands partenaires affinitaires, les Américains, mais également les Japonais, les Coréens, les Australiens, etc. Et donc, on pourrait résumer par la formule pas d'alignement et pas d'équidistance, ce que le président de la République a rappelé lui-même lors de la conférence aux ambassadeurs. Donc, on travaille avec ces partenaires affinitaires. L'objectif aussi, dans notre approche, c'est d'intervenir pour contrôler les risques de montée en tension, intervenir pour contrôler les risques aussi d'escalade. Et ça, on peut le faire à travers un certain nombre d'actions très concrètes. Donc, c'est tout ce qu'on a évoqué sur les opérations, notamment de la marine, de l'armée de l'air,
pour intervenir sous forme de signalement stratégique vis-à-vis de nos compétiteurs dans l'espace. Pégase y a évidemment contribué, notamment le fait de pouvoir se déployer jusqu'à Guam dans un délai de 30 heures. Mais je rappelle également les déploiements de nos porte-avions, des sous-marins des SNA en 21 et en 22, et avec sans arrêt la recherche en effet d'une meilleure interopérabilité et de la capacité d'intervenir dans le haut du spectre avec nos partenaires. Ce sont les exercices La Pérouse, c'est les exercices aussi auxquels nous contribuons Pitch Black tous les deux ans en Australie. Donc, notamment dans le cadre de Pégase 2022. C'est encore tout ce qui a été illustré là, dans le petit film sur nos exercices conjoints avec un certain nombre de grands partenaires de la zone, et je mentionne notamment le Japon. Donc ça, c'est en effet à la fois, je dirais, singularité dans notre positionnement stratégique, mais toujours avec la recherche de complémentarité avec nos grands partenaires affinitaires dans la région et sur des missions qui sont aussi des missions de contrôle de l'environnement stratégique. Deuxième volet, les partenariats de souveraineté. Et là, il y a un agenda qui est en effet de contrer un certain nombre d'actions d'influence ou d'entreprises hégémoniques de certains compétiteurs dans la zone, mais il y a également un agenda positif qui n'est pas spécifiquement, exclusivement relié, en effet, à ces actions d'influence. L'objectif, il est de réduire les vulnérabilités, les dépendances, d'incarner une offre alternative dans la mise en place de ces partenariats et, je dirais, en effet, d'engager un certain nombre d'actions au titre du partage d'autonomie stratégique avec un certain nombre de grands partenaires et des partenaires de l'Indo-Pacifique. Alors, on le fait notamment, je vais donner un certain nombre d'exemples, par exemple dans la lutte contre la pêche illégale. C'est par exemple notre participation à ce qu'on appelle le Pacific Quad, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, pour patrouiller dans les zones économiques exclusives des États insulaires dans le Pacifique Sud. 132 jours de mobilisation par an de nos bâtiments de la Marine nationale. Ce sont un certain nombre d'actions qu'on engage au titre de ce qu'on appelle HADR, donc tout ce qui est les solutions apportées en termes humanitaires pour répondre aux catastrophes naturelles, avec la mise en place d'exercices tels que les exercices Croix du Sud, également l'annonce du président de la République de contribuer à l'avenir à ce qu'on appelle les stocks prépositionnés dans certains États insulaires du Pacifique Sud, donc annonce qui a été faite lors de sa tournée dans le Pacifique cet été. Également, la prochaine organisation du SPDMM présidée par le ministre des Armées à Nouméa en décembre prochain et qui travaillera justement sur l'interopérabilité pour avoir une meilleure coordination avec nos partenaires sur ces exercices aussi de HADR. L'autre exemple, c'est comment depuis nos territoires nous avons pu mobiliser des moyens aériens, notamment lors des typhons au Vanuatu, et ce qui nous a permis en effet d'avoir une très grande réaction et là aussi d'intervenir en complémentarité avec par exemple l'Australie dans le cadre du mécanisme France et qui a dépêché des bâtiments de sa marine, mais évidemment dans des délais qui étaient supérieurs. Donc voilà un peu l'idée de la façon dont les armées contribuent en effet à l'élaboration et à la construction de ces partenariats de souveraineté. J'insiste aussi sur ce qui a été évoqué, qui est la mise en place de points d'appui. J'ai appris le terme du réseau RAPAS aujourd'hui, mais qui correspond en effet à une véritable réalité. Ça se traduit aussi par la négociation notamment de tous ces accords de soutien logistique mutuel et qui permettront d'avoir en effet un réseau de points d'appui qui nous permettront une présence continue, beaucoup plus régulière et continue et réactive au sein de l'espace, pas seulement avec des pays qui partagent des mêmes plateformes, mais également avec des pays sur lesquels on a des convergences stratégiques fortes. Troisième volet, comment en effet nos armées contribuent aussi à cette dimension structurante de la stratégie Indo-Pacifique, qui est notre attachement
au multilatéralisme efficace et aux organisations multilatérales au niveau régional. Il y en a certaines qui s'imposent plus que d'autres, c'est l'ASEAN, et notamment la volonté française de se rapprocher des structures de défense de l'ASEAN, donc en Asie du Sud-Est. Comme vous le savez, c'était le fait qu'on a porté une candidature pendant longtemps pour devenir observateur des groupes de travail de ce qu'on appelle l'ADMM+, donc qui réunit les ministres de la défense de l'ASEAN avec les ministres de la Défense, des partenaires de dialogue. Nous sommes depuis maintenant 2 ans membres de 2 groupes de travail, sécurité maritime et opération de maintien de la paix, et avec le fait que notre ministre des Armées participe désormais aux réunions plénières, et on espère bien, et on a exprimé en effet le souhait de devenir membre de plein droit. D'autres organisations multilatérales aussi, où on pense qu'il faut continuer à développer des synergies, mais comme je le disais, également en travaillant avec des formats ad hoc. Vous connaissez tout le débat sur le multilatéralisme et les formats mini-latéraux. Simplement pour souligner qu'il n'y a pas de dogmatisme de notre côté, nous sommes prêts à travailler de façon très pragmatique avec certains formats. J'en cite un, le Quad, et notamment le groupe de travail qui travaille sur les questions de Maritime Domain Awareness, où là, il y a sans doute une complémentarité en termes de moyens. On sait bien que sur la sécurité maritime, ce ne sont pas que des bâtiments de la marine, mais également il y a tout un continuum avec les drones, avec les technologies spatiales, et qu'il faudra en effet arriver à exploiter complètement ces complémentarités. Et dernier point, et j'arrêterai là, c'est évidemment l'enjeu sur la complémentarité UE-OTAN qui a été évoqué. Il y a un agenda indo-pacifique au sein de l'OTAN. Nos positions ont été rappelées notamment lors des derniers sommets dans le concept stratégique de l'OTAN. Et il est important pour nous, en effet, d'européaniser un certain nombre d'opérations, d'initiatives, pour illustrer, en effet, cette complémentarité UE-OTAN au sein de l'espace indo-pacifique. Et je crois que c'est notamment le cas de réflexion en cours sur les prochaines campagnes. Pégase 2024 et également dans le cadre de nos déploiements mobilisant des moyens de la Marine nationale. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de ce tableau général. Effectivement, la plupart des analystes aujourd'hui, pas seulement sur le plan géopolitique, nous annoncent un mouvement accéléré vers un retour à un bipolarisme armé, en réalité. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la France peut vraiment peut être crédible dans cette politique de refus d'un alignement total et de cette logique de bloc. En tout cas, si elle le peut, et de manière crédible, ce ne sera pas sans l'appui, effectivement, d'une diplomatie militaire qui montre une résolution et des moyens, éventuellement. On en parle depuis le début, on l'a évoqué en ouverture, on l'a évoqué dans la première table ronde, on vient de le voir illustré par un clip, monsieur l'ambassadeur l'a évoqué, mon général, on va enfin parler de Pégase 2023. Et sans transition et sans question particulière, je vous passe la parole. On est très impatients de vous entendre pour cette intervention, cette diplomatie aérienne en Indo-Pacifique avec un rétex très concret sur Pégase 23. Mon général. Merci beaucoup. Un premier point quand même, la diplomatie aérienne depuis 1964 et l'émirage 4 du Grand Charles, elle a quand même produit des effets. Et la dissuasion nucléaire fait tellement partie de notre paysage que nous oublions parfois d'en parler. Et ce n'est pas le général Bélanger, commandant des forces aériennes stratégiques au premier rang, qui me dira le contraire, je pense. Sur la diplomatie aérienne en Indo-Pacifique et Pégase 2023, je vais articuler mon propos en 10 minutes, 16 slides, en me hâtant lentement, sur 3 points. Le premier, le signalement stratégique de Pégase, il a commencé, non pas uniquement en volant, mais dès la préparation. Faire une note diplomatique avec la DGRIS et le ministère des Affaires étrangères, parler aux ambassadeurs, parler aux think tanks, rencontrer les attachés de défense, faire connaître la volonté de la France d'exister et de faire partie du paysage de l'Indo-Pacifique, c'est déjà en amont de la mission. Ensuite, le deuxième point, c'est une démonstration de la stratégie française et la politique étrangère française, la stratégie militaire dans l'Indo-Pacifique, par le design, je dirais, par la nature même de la mission Pégase 23, je vais vous le montrer tout de suite. Et puis enfin, je parlais de dissuasion, mais le général Burkhardt, chef d'état-major des armées, parle aussi de gagner la guerre avant la guerre.
et si nécessaire, on peut faire un conflit de haute intensité et y être performant. Gagner la guerre avant la guerre, c'est bien le travail, on a évoqué tout à l'heure, sur les perceptions. Et c'est ce travail-là que l'on a fait aussi avec Pégase 23, qui avait aussi commencé avec Pégase 22. Je salue d'ailleurs dans la salle le général Groen qui l'a commandé. Quand on parle de diplomatie, on parle aussi d'incarnation de cette diplomatie. C'est une voix et c'est un visage, là c'est le mien, mais je vais vous montrer aussi qu'il y a la voix et le visage du ministre des Armées et du premier ambassadeur de France, qui est le président Macron lui-même, qui a évoqué la mission Pégase. Cette mission Pégase, c'est toujours difficile de représenter des avions dans le ciel. Et, ben, voilà. Les batailles napoléoniennes sont assez faciles finalement à décrire et à recomposer. L'air power, c'est compliqué. Donc ce que je fais ici, c'est qu'il y a une grande flèche qui part de France et qui va dans le Pacifique. Et cette grande flèche, elle montre trois choses. Un, on va dans le Pacifique parce qu'on a des enjeux. Les enjeux qu'on a dans le Pacifique, ce sont d'abord nos Outre-mer. Et donc c'est vers là que nous sommes allés, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis et Futuna, pour la partie Pacifique, et puis l'année d'avant, nous étions allés à la Réunion pour la partie Inde. Donc nous commençons par nous projeter sur ce que j'appellerais l'éventail de l'Indo-Pacifique, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, qui est cette partie Malaisie-Singapour. Donc un, les Outre-mer, deux, des partenariats essentiellement bilatéraux avec l'ensemble des partenaires de la région que nous avons ici illustrés, avec 14 armées de l'air partenaires, 11 escales et 10 pays. Et parmi ceux-là, un partenaire essentiel, qui est les États-Unis, et je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, non aligné, non équidistant, mais il faut savoir travailler avec les États-Unis, et il faut savoir aussi être près des États-Unis pour, avec eux, réfléchir, et puis, pourquoi pas aussi, les influencer. Troisième point, c'est avoir des clés de compréhension de ce qui se passe, et pour cela, une chose à faire, sans doute, c'est tourner la carte. Adopter un point de vue qui est un point de vue un petit peu différent, donc on a toujours une projection très européenne de l'affaire, où on part de France en lien, de la France hexagonale en lien direct vers le Pacifique. Si l'on regarde une carte d'une autre projection, qui est celle qui est adoptée par l'Australie et le Japon par exemple, ça donne ceci, c'est-à-dire que l'Europe, elle est plutôt un petit peu en périphérie du Pacifique. Et on voit aussi qu'en termes de distance, quand on arrive à Singapour et en Malaisie, on a fait à peine la moitié du chemin pour aller ensuite dans nos Outre-mer. Donc c'est intéressant de voir ce type de projection aussi. Et un des éléments essentiels de Pégase 23 a été, on a parlé tout à l'heure avec le jardin anglais et la façon de penser aussi soi et les autres, c'est comprendre aussi comment ceux qui sont dans le Pacifique, comme nous, mais qui y sont en tant que pays directement impliqués dans ce Pacifique-là, pensent le Pacifique. La carte classique ici montre qu'il y a quand même un écrasement des distances et c'est important de l'avoir en tête. Quand je parle d'une construction qui montre la stratégie française dans le Pacifique, donc c'est une France qui est multilatérale, qui travaille avec l'ensemble des partenaires, chacun doit apporter une solution, il n'y a pas une logique de bloc, et donc on n'est pas équidistant, on est proche de nos alliés, et on veut la liberté de circulation. Et donc cela donne deux colonnes. À gauche, vous avez les équilibres de la stratégie française dans le Pacifique, dans l'Indo-Pacifique, et à droite, vous en avez les sujets. Les équilibres, c'est nous avons des enjeux qui sont les Outre-mer, il s'agit donc de les protéger, et pour les protéger, il faut pouvoir aller jusqu'aux Outre-mer, et il faut avoir des partenariats avec les pays autour pour qu'on puisse opérer et être crédible et efficace lorsque l'on se protège aussi loin. Deuxième point pour cela, c'est un appui également, c'est les déploiements multi-déploiements pour avoir des relations bilatérales qui nous permettent aussi à la fois de comprendre, d'appuyer, d'aider, et puis de conserver nos enjeux. Je parlais de la liberté de circulation et de la position équidistance équilibrée. Et enfin, l'agilité. Pégase 23, donc 19 avions, c'est la capacité d'autonomie pendant 40 jours qui fait qu'à ce moment-là, grâce aussi au partenariat qu'on a fait, j'ai vu qu'il y avait nos industriels dans la salle aussi, grâce au partenariat avec les différentes armées, avec les industriels, nous réussissons, et nous avons réussi avec, je dirais, une sorte de collier de perles A400M, MRTT, Rafale, à avoir aujourd'hui des partenaires, des pays avec lesquels nous travaillons et qui nous permettent de gagner aussi en réactivité, de partir plus léger, de pouvoir être plus longtemps sur place. Et c'est ça qui participe à l'agilité d'ensemble de ce déploiement. Et qui donne aussi la crédibilité lorsque l'on dit que la France peut se déployer à l'autre bout du Pacifique en quelques jours pour avoir une action et des effets militaires. Eh bien, on l'a démontré ici et on sait et on saura le faire. Le jardin anglais. Démonstration par la visibilité. Vous avez à gauche, je vais vous le détailler tout à l'heure, un tweet du ministre de la Défense. En bas à droite, vous avez un tweet du président. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle l'Elephant Walk, qui est la démonstration de puissance lorsqu'on est avec les Américains et d'autres alliés, les Five Eyes et le Japon et l'Indonésie, à Guam. C'est montrer, ça aussi c'est de la diplomatie, c'est montrer ce que l'on peut faire ensemble, en coopération, parce que l'on sait travailler ensemble et que l'on a la volonté de le faire. C'est également
partager les points de vue. Donc, ce sont des séminaires et des colloques que nous avons menés. J'ai vu le général Tardif aussi dans la salle ici, en Indonésie pour lui, moi à Singapour, et on échange dans ces ensembles et ces ensembles et ces think tanks-là. Et enfin, souvent on peut reprocher à l'armée de l'air d'être évidemment très rapide, mais parfois un peu fugace. Et donc il faut de la rémanence, et la rémanence c'est la mémoire, c'est l'histoire, c'est ce qu'on a fait aussi avec la Corée du Sud et avec le Japon. Que dit notre ministre Sébastien Lecornu lorsqu'on se déploie à Singapour en Malaisie? Je vous laisse lire, mais je l'accompagne quand même. Un déploiement inédit, une première étape au service de la souveraineté de nos Outre-mer. Si là, on n'est pas dans la diplomatie incarnée par l'armée de l'air à ce moment-là, on n'y est pas. Démonstration de force, Rafale, F-35 côte à côte sur la piste, avec A-400 et MRTT qui sont présents également. C'est une façon de montrer que non seulement nous savons travailler ensemble, nous sommes interopérables, mais nous avons aussi la volonté de pouvoir travailler dans l'Indo-Pacifique pour assurer la liberté de circulation que nous appelons tous de nos voeux. Le premier ambassadeur, donc le président, qui tweet en gauche, alors là aussi on y est, hein, en vol vers la Nouvelle-Calédonie, accueilli par nos rafales qui viennent confirmer que la France est une puissance de l'Indo-Pacifique. Comment mieux dire ? Et à la fin, nous sommes tous des petits garçons et des petites filles, et donc lorsqu'on voit un magnifique rafale illuminé, peint en or par le soleil couchant, eh bien on s'y arrête. Et le tweet à droite, c'est bien le président qui, dans son avion, photographie le rafale et communique ensuite. Et donc dans la diplomatie française, le fait de faire rêver, de porter de l'espoir, c'est aussi ce que porte depuis son histoire, depuis son début, l'aviation française. Est-ce que les compétiteurs ont regardé ce qu'on faisait? Oui, Dixit Le Monde, qui me montre en photo, donc il y a bien une incarnation là, et qui dit que la Corée du Nord n'est pas contente. Bon, mes enfants n'ont pas été très heureux de voir que la Corée du Nord n'était pas contente avec mon nom dessous. Néanmoins, on voit qu'on incarne ici à la fois la position française et le fait que les compétiteurs nous observent. Les clés de compréhension, c'est aussi, lorsque j'étais à l'Alliance française à Singapour, m'exprimer sur la façon dont, avec l'armée de l'air, avec la puissance aérienne, avec l'espace, on peut contribuer à des missions de sauvegarde des populations. L'Indo-Pacifique, c'est une accumulation de crises environnementales, climatiques, crises de défense, différents trafics. Et donc, ce que l'on peut faire avec des moyens aériens et des moyens spatiaux, tous en complément, ça n'empêche pas d'avoir des choses qui sont aussi persistantes, comme la marine, par exemple, et comme les forces d'outre-mer positionnées, mais on peut apporter des choses. On l'a démontré aussi avec le général Tardif, en Indonésie, sur la surveillance des espaces maritimes. Qu'est-ce que l'on peut faire? Comment on peut évoluer dans ces affaires-là? Et ce sont des lieux d'échange. Effectivement, comme la marine a très bien compris il y a très longtemps, les avions ou les bateaux ne se voient pas tellement quand ils sont en mission dans ces zones-là. En revanche, c'est à l'escale que l'on peut se montrer et que l'on peut donc discuter, être visible et influencer ou influer. Je parlais de la rémanence, la mémoire. Je suis en Corée du Sud en même temps, et ce n'est pas un hasard, que la secrétaire d'État aux anciens combattants, Mme Miralles, pour les 70 ans de la guerre de Corée, l'armistice du 27 juillet 1953. Et à cette occasion-là, nous avons des rafales accompagnées par des avions coréens qui survolent ce cimetière de l'ONU, le seul au monde, de Busan, dans lequel nous avons l'ensemble des noms des 312 Français qui sont morts pendant la guerre de Corée et des 40 dépouilles qui s'y trouvent toujours. Et les Coréens du Sud tiennent particulièrement à cette mémoire-là. Elle est entretenue aussi là par l'armée de l'air. Le Japon, vous ne savez peut-être pas, mais c'est bien Georges Clemenceau qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'était pas encore terminée, a envoyé des as français, des ingénieurs, des spécialistes de l'aéronautique pour aider le Japon à construire son armée de l'air et aujourd'hui de l'espace, puisqu'elle s'appelle aussi armée de l'air et d'espace aujourd'hui. Donc cela fait près de 100 ans que nous avons un lien historique avec le Japon en termes d'armée de l'air. Et nous sommes aussi allés là-bas, non pas le rappeler, mais le commémorer. Enfin, investir le champ des perceptions. Alors, Pégase, oui, mais Hermès aussi, donc ce messager ailé. Les deux sont bien ici en train de montrer ce que l'on fait avec Pégase, ce qu'on a fait avec Pégase en 2023, ce qu'on fera en 2024 également. C'est-à-dire, je parlais du chef d'état-major des armées, gagner la guerre avant la guerre. Et là, nous sommes dans un signalement stratégique qui porte la protection des Outre-mer,
qui démontre la fiabilité de nos matériels et donc la crédibilité de nos engagements, et qui aussi trace l'aboutissement d'un certain nombre de partenariats. Lorsqu'avec la Corée du Sud, j'ai une pale de MRTT qu'il faut changer, c'est quand même quelque chose qui fait 6 mètres de haut, et que la Corée du Sud, qui a du MRTT, nous prête ce matériel-là, grâce à Airbus qui est intervenu à ce moment-là. Lorsque nous avons un A400M qu'il faut réparer à Guam et qu'il faut ramener en France dans des conditions qui sont des conditions délicates, eh bien nous le faisons avec nos industriels et avec nos partenaires. Mon général, pardon. Il y avait juste celle-ci, si vous voulez bien. C'est 40 jours, c'est 320 aviateurs et aviatrices, efficacité de ceux que l'armée de l'air a formés, fiabilité des matériels et des personnels, et crédibilité. Et on porte là la crédibilité, je reviens sur la partie dissuasion, de l'ensemble du tissu militaire et industriel français et européen. Et je viens sur Pegasus 2024, et européen, puisqu'en 2024, on aura cette carte européenne qui sera jouée. Vous avez donc une question. Ce n'est pas comme le 23 juin 2023, lorsque j'ai expliqué la mission à mes 320 aviateurs. Ils n'ont pas posé de questions à l'issue. Et je vois que vous allez le faire. Vous êtes aussi, monsieur Zajec, l'un des médiums de la diplomatie aérienne à travers votre action. Aujourd'hui, ce colloque poursuit la mission. Merci beaucoup. J'en suis très honoré, mon général. Mais c'est vrai que là je suis à la torture, parce qu'on vous écouterait encore pendant très longtemps, mais on arrive à la fin de notre potentiel carburant si on veut préserver des questions. Et je suis sûr qu'elles seront nombreuses, justement, sur Pégase. On est ici sur quelque chose de central, bien évidemment, et parfaitement illustré. Puisqu'on est toujours dans cette diplomatie aérienne, diplomatie spatiale, ce balancement entre la dimension diplomatique, la dimension militaire et leur articulation, je vous propose à présent d'écouter l'intervention en vidéo de notre ambassadeur en Indonésie sur ces questions, avant de passer à la suite. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, je remercie l'armée de l'air et de l'espace de m'avoir invité à votre colloque. Il me donne l'occasion de présenter, vue de l'ambassade, un bilan de la mission Pégase 2023 qui a fait escale à Jakarta, en Indonésie, du 24 juillet au 1er août 2023. Je voulais d'abord rappeler que le renforcement des relations avec l'Indonésie, un partenaire stratégique depuis 2011, est une priorité des autorités françaises. Ce, pour quatre raisons au moins. Grande démocratie, pays majeur par sa population, sa créativité, son poids économique et la rapidité de son développement, l'Indonésie est aujourd'hui centrale sur la scène internationale. La place de l'Indonésie au sein de l'ASEAN continue par ailleurs de se renforcer, comme nous le voyons cette année avec la présidence de l'ASEAN assurée par Jakarta. Troisièmement, dans le contexte géopolitique actuel, alors que l'Asie du Sud-Est est soumise à des tensions, l'Indonésie s'emploie par le dialogue à favoriser la paix et la stabilité. La France, en tant que nation de la région Indo-Pacifique, partage les mêmes objectifs que l'Indonésie. Enfin, l'Indonésie a un rôle important à jouer et des responsabilités nouvelles sur les enjeux globaux. Nos ministres des Affaires étrangères et de la Défense se sont réunis pour la première fois en format 2+2 le 21 juillet dernier. Ce format exceptionnel manifeste notre volonté commune d'intensifier notre coopération sur les enjeux de sécurité et de défense. C'est pourquoi l'escale de la mission Pégase en Indonésie a été un événement important. D'abord, le triptyque Rafale, A400M et ravitailleur A330 MRTT a permis de démontrer notre capacité de projection de puissance à très longue distance, en parfaite autonomie et dans des délais réduits. Ensuite, ce déploiement est un exemple réussi de notre diplomatie aérienne en Indonésie. Il était l'occasion d'échanges techniques entre experts permettant de répondre aux questions du partenaire indonésien et de le préparer en tant que futur utilisateur du Rafale et de la 400M. Des conférences ont également été organisées permettant de faire valoir nos priorités et nos sujets d'attention. La mission Pégase a donc contribué directement à l'influence française et au renforcement de nos liens diplomatiques avec ce grand pays partenaire qu'est l'Indonésie. On ne peut que souhaiter qu'une nouvelle édition de cette mission puisse donc avoir lieu en 2024. Je vous remercie.
Parfait. Une illustration encore de ce contexte géostratégique et puis même une ouverture, monsieur l'ambassadeur, sur l'aspect capacitaire. L'aspect des ventes de Rafale, effectivement, sera traité par Kevin Martin tout à l'heure. Mais pour le moment, je me tourne, mon général, vers vous. Alors, je suis doublement content, d'abord parce qu'on a un partenariat avec le CDAOA, l'Université Lyon 3, depuis longtemps, en matière de recherche, en matière d'échange. On a des étudiants qui sont souvent attirés justement par les métiers de l'armée de l'air parce que le CDAOA est là à Lyon et qu'il rayonne. Et parce que également, on va pouvoir, en votre compagnie, traiter une question qu'on n'a pas vraiment approfondie pour le moment, celle de la police du ciel. Et cette police du ciel, elle ressemble à un certain nombre de ce que j'appelais des briques tout à l'heure, hein, dans ce sujet général de la diplomatie aérienne et spatiale. La première impression, c'est de se dire on est au cœur de la souveraineté. On est dans quelque chose qui est propriétaire, d'une certaine façon, pour les nations. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir une coopération sous des aspects diplomatiques en police du ciel ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça se déploie aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, mon général ? Merci Olivier pour cette introduction. Je suis le général Laurent Rateau, le nouveau commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes. Je remercie en fait le CESA de me faire intervenir avec une question qui finalement est comment résoudre le paradoxe. Est-ce qu'un outil totalement souverain et régalien est peut-être un instrument de notre diplomatie ? Alors d'abord, parlons un tout petit peu de vocable quand on parle de police du ciel. La police du ciel, comme un peu la police à terre, elle sert à surveiller, détecter, identifier, éventuellement interpeller, voire porter assistance. Cette mission police du ciel est une. Quand on parle de police du ciel, on est vraiment dans le cadre du temps de paix. On l'élargit quand on parle de la menace militaire, on l'élargit au vocable de défense aérienne et. Et donc, je vais élargir délibérément le sujet à la défense aérienne. Voilà. Pour essayer de comprendre, tournons-nous toujours un petit peu vers l'histoire et comment cette défense aérienne, elle s'est construite en France. Et en fait, c'est méconnu, mais elle est en fait à la base issue d'une coopération avec nos camarades anglais. Souvenons-nous, en 1945, au sortir de la guerre, la France elle se trouve dans une situation de grandeur sans moyens, avec une forte ambition de restaurer sa souveraineté, mais elle a une grande dépendance vis-à-vis de ses alliés, en particulier vis-à-vis des États-Unis. Et donc c'est sous l'impulsion politique du général de Gaulle. Alors, je suis désolé Jérôme, mais nous c'était en 45, hein, c'est pas 64. Le 1er janvier 1945, le général de Gaulle signe un décret portant les attributions du général commandant la défense aérienne du territoire. Donc cette défense aérienne du territoire, elle est l'ancêtre du CDAOA et déjà à l'époque, elle, grande nouveauté, elle dispose d'un commandement unique par rapport à ce qui avait pu se faire au début du conflit. Voilà. Mais cette armée de l'air, elle est encore fortement sous la dépendance des commandements alliés et la France, à ce moment-là, est considérée comme une puissance qui défend un petit peu la zone arrière. Et en fait, dans ce contexte, nous allons naturellement nous tourner vers nos camarades britanniques pour différentes raisons. D'abord parce que les Britanniques, ils ont montré avec la bataille d'Angleterre que une bataille aérienne défensive pouvait amener à des effets majeurs. Nos aviateurs ont, pour grand nombre, opéré au sein des escadrons britanniques. Et nos camarades britanniques nous aident un petit peu aussi industriellement en nous fournissant un certain nombre de matériel bien connu, des Spitfire, des Vampire, mais aussi des moyens de détection sur lesquels ils ont fait des grands progrès. Et ils nous donnent un certain nombre de licences en attendant que notre industrie nationale puisse à nouveau être en mesure de le faire. Et cette coopération avec les Britanniques, elle va se faire autour des concepts, de la doctrine et des méthodes, en adoptant ce que les Britanniques avaient parfaitement compris de l'impérieuse nécessité d'avoir une supériorité aérienne et en particulier sur son espace aérien national. Cette coopération avec les Britanniques, elle va en plus être portée par
un élan diplomatique. Donc en 1947, on signe le traité de Dunkerque avec les Britanniques, ce traité qui est à la fois fondé sur l'alliance et l'assistance mutuelle, est en fait un acte fondateur d'une défense aérienne, outil partagé entre deux nations. Ça conduira ensuite au traité de Bruxelles en 1948, auquel donc, on associe la Belgique et les Pays-Bas, ce qui sera le fondement de l'Union occidentale et plus tard de l'UOO. Le traité de Bruxelles, il parle, alors il s'étend au champ économique, mais il parle et surtout de légitime défense collective. Et donc, c'est aussi un peu dans cette dynamique-là que les Américains vont revenir et puis que vont être portés les principes de l'alliance défensive de l'OTAN. Voilà, donc sans les Britanniques, sans l'ambition du général de Gaulle, la souveraineté française dans l'espace aérien national aurait été un vœu pieux. Cette défense aérienne, elle a été d'abord donc un objectif diplomatique, puis ensuite on s'est attelé à la rendre crédible pour qu'il devienne un instrument de politique étrangère. Voilà. Alors, concrètement, aujourd'hui, comment s'illustre ce rôle dans la politique extérieure de la... Oui, parce que mon général, pardon, mais le CDAOA, parfois on l'oublie, c'est effectivement la police du ciel, la défense aérienne, avec une réactivité, des rafales qui peuvent décoller très rapidement, mais ce sont toutes les opérations aériennes françaises dans le monde aussi, en coordination. Donc il y a une dimension qui est effectivement, on parlait de croisement de réseaux tout à l'heure, une dimension qui touche à la diplomatie, à la politique étrangère. Vous avez une vision qui va bien au-delà en fait, hein, de cette dimension de police du ciel. Est-ce que les choses évoluent et justement, comment est-ce qu'on peut approfondir, encore une fois, hein, ce croisement qui est notre sujet, vu de Lyon, d'une certaine façon. Alors, vu de Lyon. Effectivement, l'action aérienne, elle ne s'arrête pas à l'espace aérien national. Mais comme on le sait, la géographie commande. La géographie, disait l'ouvrage d'Yves Lacoste, s'intitulait la géographie, cela sert d'abord à faire la guerre, mais cette géographie, elle permet aussi pour nous de nous défendre, elle permet de ne pas faire cette guerre, ou en tous les cas d'anticiper la menace. Et cette géographie, pour le coup, on comprend bien que le positionnement de notre pays à la pointe occidentale du continent la met dans une situation particulière. On ne conçoit pas la défense aérienne de la France comme on concevrait celui de la défense aérienne d'un pays comme l'Australie. D'abord parce que la France est survolée en permanence par un nombre très important de vecteurs aériens. On parle d'environ 12 à 14 000 avions qui survolent quotidiennement l'espace aérien français, avec des pics à jusqu'à 1400 avions par heure. Et donc ce flot interrompu d'avions, si on attend qu'ils arrivent à la frontière pour s'en préoccuper, on n'a pas cette profondeur stratégique et cette anticipation que l'on recherche au travers des alliances que l'on passe avec nos pays limitrophes et au travers de l'accord plus général concernant la menace militaire qui est passé au sein de l'OTAN. OTAN dont la première mission permanente est celle de la défense aérienne. Donc la première illustration concrète de ce rôle dans la politique extérieure de la France, ce sont d'abord ces accords transfrontaliers de défense aérienne. Alors on a commencé en 1972 avec l'Espagne, et puis on a étendu progressivement ces accords à tous les pays limitrophes, Benelux, les Britanniques, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne. Le principe, c'est un principe d'échange d'informations, d'échange de préavis, mais également une certaine réciprocité et des délégations partielles et contrôlées de certains aspects souverains. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on appelle le droit de poursuite ou est-ce que c'est plus large ? Exactement. C'est cette...
cette diplomatie de l'échange de services sur une mission régalienne. Et donc, certains aéronefs français peuvent continuer une mission de police du ciel dans les espaces souverains des pays limitrophes. De la même manière, certains aéronefs étrangers peuvent poursuivre leurs actions, c'est coordonné avec nous, dans notre espace aérien souverain. Donc, les accords transfrontaliers. Le deuxième volet qui est crucial, qui est une mission sans doute méconnue et que nous pratiquons Armée de l'air et de l'espace avec le ministère des Affaires étrangères, c'est celui de la gestion des survols. Et aujourd'hui, l'application de la police du ciel se fait au travers des survols que l'on accorde ou pas aux aéronefs d'État des pays étrangers. Aujourd'hui, très concrètement, les aéronefs russes sont interdits de survol de l'espace aérien national. Et donc, tout ce volet de gestion des autorisations est un instrument de notre politique étrangère. Ces moyens de restreindre les accès ou même restreindre la souveraineté, c'est le troisième volet de cette capacité de l'armée de l'air à peser sur la politique étrangère, c'est ce que l'on fait en opération, vous le citez par exemple, en mettant en œuvre des zones d'exclusion aérienne, ce sont ce que l'on appelle les no-fly zones. Les exemples dans l'histoire récente sont assez importants. Là, il y a également, on n'y pense pas, mais il y a certains pays qui partagent leur souveraineté avec nous, ou en tous les cas qui nous confient une partie de cette souveraineté. Je pense par exemple à Djibouti, pays partenaire au profit duquel nous assurons une partie à la fois de surveillance de l'espace aérien et d'intervention à leur profit. Je crois que le partenariat avec les pays baltes, de ce point de vue, a été assez également... intense avec l'armée de l'air et de l'espace française. Exactement. C'est de manière ponctuelle, on peut déployer des dispositifs, par exemple transfrontaliers, de ce qu'on appelle les DPSA. Donc c'est un petit peu les bulles de protection. On l'a fait au profit de la Suisse il y a quelque temps. C'est aussi quelque chose que l'on a partagé avec les Anglais, par exemple, pour les JO de Londres. Nous avons de temps en temps apporté un certain nombre de moyens de surveillance aérienne à nos camarades anglais, comme aujourd'hui, dans la perspective des JO, nous travaillons aussi sur des collaborations dans le domaine de la lutte anti-drone avec nos partenaires britanniques. Voilà. Et dernier volet de cette politique étrangère, c'est aussi celle du partenariat diplomatique et de l'échange de valeurs et de savoir-faire. La reconnaissance de notre excellence dans cette mission, elle se démontre tous les jours au travers des nombreuses délégations qui viennent à Lyon, en plus de vos étudiants, qui viennent voir nos savoir-faire avec qui on échange et on partage et avec lesquels on a pu aussi partager pendant la mission Pégase, pendant les nombreuses escales. Voilà un petit peu les différentes façons dont se déploie notre diplomatie au travers de la défense aérienne française. Merci beaucoup, mon général. Ça complète effectivement parfaitement ce qu'on avait ouvert jusque-là. Il y a une dimension qui est, effectivement, dans tout ce qu'on vient de dire, qui est non pas horizontale, mais on va dire élargie, la question de l'allonge, la question de la distance, qui a été bien illustrée par Pégase, l'articulation entre défense aérienne et police du ciel dans une optique mondiale. Mais il n'y a pas que cette dimension horizontale ou d'allonge, il y a également la hauteur. Et la hauteur, elle comporte plusieurs couches. Je vais dans ce domaine-là, je vais me tourner vers le général Philippe Adam. Mon général, lorsqu'un colonel ou un capitaine de vaisseau accède au généralat, on dit qu'il prend des étoiles. Alors, dans votre cas, ça va encore plus loin. Hein. Vous prenez des constellations. Vous êtes le commandant de l'espace, pour l'armée de l'air et de l'espace. Et j'aimerais, avec vous, que l'on aborde ce sujet. On a parlé tout à l'heure du diplomate, du soldat, de l'entrepreneur. On parlait d'Elon Musk, évidemment, un rôle majeur en politique étrangère, alors qu'on n'est pas complètement dans le régalien, encore que. Qu'est-ce que peut apporter cette dimension extra-atmosphérique, et puis au-delà, en réalité, de l'espace? Est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe à nouveau? Et on se cogne toujours sur ce paradoxe. L'espace, pour certains, c'est la coopération, c'est la découverte, c'est l'aventure,
c'est quelque chose qui est un peu préservé, alors que dans le même temps, on le voit bien. Aujourd'hui, l'extra-atmosphérique est un peu un espace clausewitzien transposé, c'est-à-dire qu'il est saisi par la compétition, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mêlent et ils sont de plus en plus agressifs. Donc, est-ce que ce n'est pas un paradoxe et même un oxymore de parler de diplomatie aérienne et spatiale ? Est-ce qu'on n'est pas de toute façon déjà rentré dans la compétition ? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour la diplomatie, en fait, dans cet espace ? Merci professeur. Bonjour à tous. Effectivement, le paradoxe, il n'est qu'apparent. L'espace est réputé être utilisable par tous pour le bien de l'humanité, évidemment, et il a la réputation jusqu'à présent d'être un espace où les activités étaient pacifiques. Mais ce n'est pas pour ça que les militaires n'y étaient pas présents, ni qu'il n'y avait pas déjà une certaine forme de compétition. Cette compétition, elle est ancienne. Elle remonte à la guerre froide et à la course à l'espace que se sont livrés les Américains et les Soviétiques à l'époque, et qui s'est terminée d'ailleurs au moment de ce qu'on appelait la guerre des étoiles du président Reagan, et tout ce qui a suivi ensuite. Alors effectivement, après, cette compétition s'est un petit peu atténuée, et on est passé vraiment à des usages pacifiques et commerciaux, mais où les militaires sont toujours présents quand même, et j'y reviendrai. On peut noter aussi que pendant la guerre froide, d'ailleurs, en même temps qu'il y avait cette compétition qui se jouait entre soviétiques et américains, l'espace jouait aussi un rôle stabilisateur, et il y avait une coopération entre ces deux nations-là, d'ailleurs, qui s'opérait. Et je suis malheureusement assez vieux pour me rappeler les premières images de rendez-vous dans l'espace entre soviétiques et américains et ces astronautes et cosmonautes qui passaient d'un véhicule à l'autre. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'opposition, mais effectivement, il faut entreprendre tous les développements et tous ces paradoxes et ces dilemmes, et il faut les gérer tous en même temps. Ça a été reconnu quand même aussi, le danger d'une dérive de la compétition et de cette course dans l'espace a été reconnu relativement tôt quand même, et on peut noter que dans le traité de l'espace de 67, qui est vraiment le fondement de la loi dans l'espace, et il n'y en a pas beaucoup d'autres aujourd'hui, interdit ou préconise qu'il n'y ait pas d'armes de destruction massive qui soient placées dans l'espace. C'est bien, armes de destruction massive, on ne parle pas des armes tout court. Et donc ce sujet-là avait aussi été pris en compte quand même relativement tôt dans le développement spatial. Maintenant, effectivement, le spatial aujourd'hui est de plus en plus militaire parce que la compétition s'y exerce d'une façon très différente. C'est assez préoccupant et tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'espace est un milieu de conflictualité comme le sont la mer, l'espace aérien ou la Terre dans certaines conditions. Et donc, il faut que cette préoccupation soit également prise en compte pour le bien, pour la préservation de nos intérêts en particulier. La préservation des intérêts, ce ne sont pas les intérêts des militaires d'ailleurs, c'est les intérêts nationaux et les intérêts des nations. Donc, les militaires ne font pas ce qu'ils font pour eux-mêmes, ils le font pour, évidemment, les nations qui les emploient. C'est vrai également dans l'espace. Et pour cela, l'outil spatial est utilisé très très largement dans des applications civiles, mais aussi dans des applications militaires. Et de plus en plus, l'espace est indispensable pour la conduite des opérations. Donc là, on a un rôle un peu particulier à jouer. Évidemment, ça a été un petit peu abordé déjà dans les premières interventions. Mais tout ça montre que dans cette compétition qui se joue un peu partout et qui se joue particulièrement dans l'espace, on a tout intérêt, de toute façon, à se préparer à des choses relativement désagréables, et c'est en s'y préparant convenablement qu'on évitera peut-être que ça arrive, dans la fameuse expression de notre CEMA, qui est de gagner la guerre avant la guerre. C'est particulièrement vrai dans l'espace. Évidemment, quand on parle de militarisation de l'espace, on parle beaucoup de ce qui pourrait se passer dans l'espace. On oublie beaucoup que ce qui se passe dans l'espace a beaucoup d'influence à ce qui se passerait ensuite sur la Terre. Et donc la préservation d'un espace utilisé pacifiquement, ou en tout cas où il n'y a pas d'action cinétique dans l'espace, évidemment, ça intéresse tout le monde pour pouvoir conserver ces services spatiaux dont nous avons tant besoin. Voilà, donc ça, c'est une des choses sur lesquelles il faut continuer à avancer. Et ça se place aussi sur un sujet qui a été aussi très rapidement évoqué, mais qui est important pour nous. J'ai évoqué le traité spatial de 67. Aujourd'hui, on voit bien que la multiplication des usages de l'espace, les risques apparaissants, les menaces émergentes, font qu'on a besoin de réguler un peu mieux ce qui se passe dans l'espace. Et donc, on est engagé dans des discussions internationales pour essayer de réglementer un petit peu tout ce qui se passe dans l'espace. On a parlé de réglementation du trafic spatial, mais il n'y a pas que ça. Ça consiste déjà à définir ce qui est licite et illicite dans l'espace. Avant de vouloir réguler, il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Aujourd'hui, c'est un petit peu flou. Aujourd'hui, en gros, on peut tout faire,
sauf placer des armes de destruction massive. Mais il faut aller un petit peu plus loin aujourd'hui si on veut être efficace. Et une fois qu'on aura mis des règles en place, se pose la question de savoir comment on fait respecter ces règles. Et là, j'emprunte très régulièrement des concepts à l'armée de l'air et au concept de police du ciel, évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, ces normes de comportement responsable sont extrêmement importantes. C'est des discussions qui ont lieu à l'ONU et auxquelles le commandement de l'espace, évidemment, participe, puisqu'on est, on est directement impliqué dans les suites de ces discussions, évidemment. Mais il faut déjà que tout le monde se mette d'accord, et donc ça se fait entre toutes les nations. Concrètement, donc, on peut dire également que le commandement de l'espace a été créé pour la mise en œuvre de la stratégie spatiale de défense de 2019, française, et que ça aussi, c'est un acte relativement diplomatique, et c'est un acte qui parle à l'ensemble de la communauté internationale, d'ailleurs. Donc ce qu'on fait est observé, ce qu'on fait est la manifestation d'une stratégie nationale et est une action diplomatique en elle-même, si on veut le prendre comme ça. Donc ça, je me sens, on a tout à l'heure dit que le général Boiteau était un diplomate guerrier, moi je me sens un petit peu comme un guerrier diplomate la plupart du temps, et je passe beaucoup de temps à expliquer ce que je fais et à convaincre. Et d'ailleurs, on peut reconnaître aussi que ce qu'on fait en France fait des émules. Et je reconnais qu'on inspire, j'ai l'impression qu'on inspire quand même pas mal de commandements de l'espace partout dans le monde, mais en restant sur des notions qui sont quand même purement défensives. L'expression justement « défense active » est toujours à l'ordre du jour dans cette stratégie ? C'est quelque chose qui est repris en général ou... c'est une des choses que j'ai emprunté effectivement à la police du ciel. Effectivement, ça fait un petit peu son chemin, mais il y en a d'autres d'ailleurs. Et les Américains parlent beaucoup de dissuasion dans l'espace aussi. Donc il y a un concept, alors nous, le mot dissuasion nous gêne, mais il faut engager ce dialogue, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de gagner la guerre avant la guerre. On parle de diplomatie évidemment, mais on parle aussi de dissuader ou de rendre la situation complexe pour l'ennemi et de le décourager de venir faire des choses qui nous arrangeraient évidemment pas du tout. Voilà, donc diplomatie et action militaire ne sont pas du tout incompatibles. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, la guerre est le prolongement de la diplomatie, où les forces armées sont un des outils de la diplomatie, et on peut dire que si la guerre se déclenche, la diplomatie devient un outil de la guerre d'ailleurs. Donc en fait, il n'y a pas de paradoxe à parler des deux, et c'est particulièrement vrai dans l'espace où les choses sont quand même encore un petit peu floues et méritent d'être précisées, et puis on a besoin de développer tous ces concepts et ces moyens de se défendre également dans l'espace. Merci beaucoup, mon général. On reviendra, j'en suis sûr, pendant la séance de questions. Je voudrais vraiment la préserver sur ces questions spatiales. Il y avait une question tout à l'heure, Nathalie Tingeau, mais on va, j'en suis sûr, continuer à approfondir le sujet. Nous avons évoqué à chaque fois quasiment la question des capacités, non seulement dans les interventions de la première table ronde, de la deuxième table ronde, dans les questions, je me souviens de celle de Jean-Christophe, Noël, sur la diplomatie du Jaguar. Bien sûr, il y a cette dimension capacitaire qui affleure à chaque fois. Avoir une diplomatie inventive, innovante et multilatérale, c'est parfait. Avoir une armée de l'air qui pense l'articulation avec l'espace, qui pense l'articulation avec cette diplomatie, c'est encore mieux. Si les concepts et la doctrine suivent, c'était parfait. Mais il faut des moyens. Sinon, tout ça n'est plus qu'une construction intellectuelle. Effectivement, la crédibilité n'y est pas associée. Il faut des moyens, donc des capacités. L'ambassadeur de France en Indonésie, tout à l'heure, évoquait cette dimension des ventes de rafales en Indonésie. Ce n'est pas neutre. C'est un partenariat stratégique qui s'ouvre derrière. Donc, cette dimension des capacités, j'aimerais qu'on finisse cette table ronde, Kevin Martin, avec vous, sur cette dimension, justement. Pas seulement les exportations d'armement, mais le capacitaire en général, les exportations surtout. Quelle est la dimension diplomatique? Quelle est la dimension d'influence? Et est-ce qu'on peut positionner ça par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, particulièrement, et peut-être en ouverture, celui de la diplomatie spatiale et aérienne? Je vous passe la parole. Et vous êtes, pardonnez-moi, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je vais évoquer avec vous le rôle du capacitaire et à travers ça les exportations d'armement et en quoi les exportations d'armement c'est aussi un outil de diplomatie. D'abord, pour un propos introductif, je rappellerai les fondamentaux du marché de l'armement. Qu'est-ce que c'est ? C'est un marché qui est régulé, qui est extrêmement régulé sur le plan international et sur le plan national. Dans le cas de la France, il est interdit d'exporter des armements sauf autorisation délivrée par l'État. Donc, outre d'être une opportunité économique, les exportations d'armement, c'est surtout un acte politique. Et les exportations d'armement, dans ce cadre, s'inscrivent comme une partie intégrante d'une politique étrangère.
L'autre point, et c'est le point plus capacitaire, c'est que les exportations d'armement s'inscrivent nécessairement dans un temps qui est très long. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des systèmes d'armes qui ont un cycle de vie et une durée de vie qui est de plusieurs décennies. Des systèmes comme un Rafale ou des équivalents, ou un avion ravitailleur, un avion de transport, va être en service pendant plusieurs décennies dans les armées. Et donc, ça nécessite d'avoir une coopération entre l'État client et l'État acheteur. Au-delà même de la délivrance du matériel, se pose aussi la question du soutien du service du matériel, de la formation, de l'assistance technique, de la fourniture des pièces détachées. Et c'est autant de flux qui peuvent en fait durer pendant plusieurs décennies et qui vont nourrir la coopération entre les deux États. L'autre point qui m'apparaît important et qu'on n'a pas forcément évoqué, et c'est plutôt mon rôle de chercheur aussi de l'évoquer, c'est de mettre du côté des États acheteurs et de comprendre en fait leurs besoins aujourd'hui, quels sont leurs besoins quand ils achètent un système d'armes auprès d'un pays partenaire, un pays étranger, comme la France. C'est déjà un besoin de coopération aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une véritable mutation du marché de l'armement qui en fait met sur les exportations, les acquisitions sur étagère, c'est-à-dire vraiment l'acquisition d'un système sans contrepartie, quelle qu'elle soit, sur le banc, ça a été marginalisé. Alors qu'on constate plutôt une quasi-généralisation des partenariats stratégiques ou des coopérations sous toutes leurs formes. Quand on regarde un petit peu les pays qui sont les principaux pays acheteurs en termes d'armement sur le marché international de l'armement, qui vont faire appel à des bases industrielles et technologiques de défense étrangères, on constate que ces pays-là aspirent à davantage d'autonomie et d'indépendance dans le domaine de la conception, de la production et de l'entretien des équipements de leurs forces. Et ces pays ont cessé d'augmenter. On pense à la Pologne, à la Turquie, au Brésil, à l'Inde, à la Corée du Sud, au Japon, à l'Australie, aux pays du Moyen-Orient. Et en fait, on voit vraiment cette ambition qui est la leur de monter en compétences et d'avoir une plus forte autonomie et une plus forte indépendance sur les questions de production d'armement. Et d'ailleurs, un point intéressant, c'est que ces États qui sont surtout en quête d'un leadership régional ou qui veulent renforcer leur leadership régional et leur stature internationale, on constate que la détention d'une base industrielle technologique de défense, c'est pour eux un facteur de souveraineté et de puissance. Et dans ce cadre aussi, les exportations de défense sont un outil de diplomatie qui leur reste à développer et qu'ils souhaitent développer. On le voit vraiment avec les exemples turcs ou coréens, où les exportations de défense viennent nourrir aussi une volonté d'ambition diplomatique plus importante. Mais pour ces États-là, l'indépendance et l'autonomie nécessitent une montée en compétences, et elles passent lors de la négociation de contrats majeurs d'équipement, que ce soit des avions de combat, des avions ravitailleurs, des sous-marins, enfin, tous les systèmes majeurs, par des demandes de compensation industrielle, ce qu'on va appeler les offsets. Ces demandes de compensation industrielle, c'est souvent des demandes de compensation industrielle directes, à savoir des transferts de technologie ou des transferts de savoir-faire. Et aussi, et ça c'est vraiment beaucoup plus le cas aujourd'hui, par la signature d'accords de partenariat stratégiques qui sont soit intergouvernementaux, soit interindustriels, ou bien les deux. Et ces transferts peuvent constituer, pour les industriels qui vont les réaliser, une opportunité de s'implanter sur le long terme dans les pays qui sont souvent à forte croissance économique et de développer des coopérations dans des domaines qui sont par nature très duaux dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Alors, dans le cas de la France, qui est un exportateur historique, on constate que les exportations de défense reposent sur un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. D'abord, le pays acheteur acquiert un équipement militaire qui assure sa sécurité, et la France renforce son industrie de défense et soutient aussi son modèle industriel et assure la soutenabilité financière de la LPM. Mais de plus en plus, en fait, on constate que ce modèle vient se renforcer avec la volonté d'inscrire les exportations de défense françaises dans des partenariats stratégiques qui sont beaucoup plus larges et qui vont être réalisés en faveur, généralement, ou avec le pays partenaire. Et ces partenariats stratégiques peuvent comporter à la fois des exercices militaires conjoints, des partenariats industriels, on l'a évoqué, ou encore des actions de développement civil. L'autre point aussi, c'est que les relations de défense, qui incluent une relation armement, en tout cas pour les systèmes majeurs, traduisent des engagements qui s'inscrivent nécessairement dans une durée qui est très longue, qui est sur plusieurs décennies, dont l'objectif est d'atteindre, sur le plan opérationnel et capacitaire, les besoins de l'État client et aussi de la France. Et ces partenariats-là offrent alors, pour les pays exportateurs, dont la France, un cadre de dialogue qui est renforcé, qui lui permet de faire valoir ses intérêts et d'échanger dans une relation de confiance
sur les questions de défense et de sécurité. Maintenant, si on revient plus spécifiquement sur les armées, ça a été évoqué tout le long de toutes les présentations, quels sont les avantages pour les armées de l'exportation d'armement ? C'est que la France ne vend pas qu'un matériel. La France vend un matériel, évidemment, mais aussi, à travers les armées, un cadre d'interopérabilité via un partage de concepts d'emploi, de doctrines, d'utilisation. Les armées françaises ont une finalité, ça a été rappelé aussi, qui est opérationnelle et militaire. Et l'idée est aussi de s'appuyer sur des partenaires stratégiques pour arriver à leur finalité. Dans le cas de Pégase, on a vu la présentation, ce qui est intéressant, c'est que les pays d'appui, les points d'appui qui ont été réalisés dans la région, c'est des pays avec lesquels nous avons des coopérations, des partenariats stratégiques, mais aussi une relation armement. Ce sont souvent des pays qui ont fait le choix de l'acquisition d'un système d'armes, en l'occurrence d'un système d'armes aéronautiques, que ce soit la 400M, le Rafale ou le MRTT. On pense notamment aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à l'Indonésie, à la Malaisie, même à la Corée du Sud. Et en fait, on voit bien l'intérêt... Vous ne citez pas l'Australie ? L'Australie aussi est un partenaire sur le plan, aéronautique avec le MRTT. Mais effectivement, c'est un partenaire un peu plus compliqué dans d'autres secteurs technologiques. Et donc on constate en fait que pour les armées, il y a un réel intérêt aussi à ce que les pays partenaires avec lesquels elle va travailler en interallié soient équipés d'un même système d'armes. Parce que les armées ne vendent pas de matériel d'armes, par contre, elles en représentent l'intérêt opérationnel. Et le rôle de l'armée, à travers l'interopérabilité et le travail avec les interalliés, c'est aussi de s'assurer de travailler sur des mêmes concepts d'emploi, des mêmes doctrines. Ça facilite le travail. Et donc disposer pour ça d'un matériel commun, c'est vraiment un élément qui est déterminant dans la relation que peut avoir la France et ses armées avec ses pays partenaires. Voilà, je conclue là-dessus. Merci beaucoup pour cette sens de la synthèse et c'était indispensable. On ne peut pas finir cette table ronde sans avoir cette dimension. Je vais me tourner tout de suite, d'abord peut-être immédiatement demander de remercier, d'applaudir les différents intervenants de cette table ronde. Et On a ici quelque chose de très riche, ça va être extrêmement frustrant, le temps de questions va être un peu réduit, mais je tiens vraiment à ce qu'on puisse l'avoir, même si on est un tout petit peu en retard. Les aspects géopolitiques, diplomatiques, des aspects de coopération sur le plan militaire, sur le plan capacitaire, est-ce qu'on peut éventuellement compléter, approfondir ? Avez-vous des questions ? Oui ? Il y en a d'autres peut-être ? En général. Hervé Longuet, je suis un ancien d'armée de l'air. J'ai une question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Général Longuet. Pardon. Présentez, mon général. En particulier sur l'influence de la France dans votre secteur, naturellement, l'influence américaine est certaine. C'est un euphémisme. Comment, au niveau de la nôtre et de partenariat qu'on peut avoir avec ces pays, comment se situer par rapport aux partenariats américains qui sont constitués par des accords de défense? Et en d'autres termes, quand on parle au step supérieur qui est l'export d'armement, je ne voudrais pas revenir sur des souvenirs douloureux qui ont été la Corée et qui ont été Singapour pour le Rafale, avec un export qui était assez avancé dans la démarche. L'Australie, on vient d'en parler, et où effectivement, à un moment, les Américains ont sifflé la fin de la récréation. En d'autres termes, ils sont devenus les régulateurs de l'export des autres pays dans cette zone. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour cette question. Ce que j'ai essayé de souligner, c'est qu'on a en effet une approche singulière qui est parfois, je ne dirais pas mal comprise, mais qui suscite un certain nombre d'interrogations de la part de nos partenaires américains. Et qui considère en effet qu'on essaye de mettre en place une voie alternative. Le point sur lequel j'insistais, c'est que si on a en effet une approche singulière, dans le même temps, on veille à maintenir toutes ces actions qui viennent illustrer la complémentarité avec les grands partenaires affinitaires et en priorité les Américains. Il y a eu AUKUS. Il y a eu depuis en effet un certain nombre d'échéances pour renouer en effet le dialogue. Je vous renvoie à la déclaration de Rome, le président de la République avec le président américain.
depuis, il y a peut-être un déficit encore d'échanges. Pas au niveau des armées. Je pense qu'au niveau des armées, on voit cette interaction vérifiée quasiment de façon au jour le jour, y compris dans l'océan Indien, y compris dans le Pacifique. Peut-être qu'il y a un certain nombre de domaines sur lesquels on peut aller plus loin pour illustrer cette complémentarité. J'ai cité tout à l'heure tout ce qui concerne le Maritime Domain Awareness, mais je pense qu'il y a d'autres domaines. Ça peut être notamment dans la lutte contre les narcotrafics, ça peut être encore dans d'autres domaines, c'est-à-dire comment on interagit également au sein des organisations régionales. Le point qui me semble intéressant, parce que vous l'évoquiez, c'est sur la bipolarisation. Oui, la France a pris une position assez claire sur le fait de ne pas alimenter ces éléments de bipolarisation. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'écoute, je crois qu'on l'a dit aujourd'hui, à l'écoute de ce que disent les partenaires de la région. Et tous, une très grande majorité, c'est on ne veut pas choisir entre Pékin et Washington. Et donc pour nous, il est important de prendre au sérieux ce positionnement, qui est un positionnement, en fait, que le meilleur terme pour le caractériser, c'est du hedging. C'est-à-dire, c'est des pays qui vont placer un pion dans chaque camp pour couvrir leurs risques. Et donc, ils ne veulent pas, en fait, faire un choix d'alignement stratégique. Et donc, on le prend au sérieux. C'est, par exemple, à ce titre-là que lorsqu'on a eu la présidence de l'Union européenne, on a organisé un forum ministériel pour l'Indo-Pacifique et qu'on a invité ni la Chine ni les États-Unis et qu'on pense que c'est en effet le format qui permet de se concentrer sur des coopérations concrètes au lieu en effet de poser d'emblée les problèmes de compétition au niveau stratégique. Et ça, c'est aussi au service en effet de notre solidarité et de coordination avec des grands affinitaires dont les Américains, parce que tous les partenariats très concrets qu'on va pouvoir en effet consolider avec ces pays de l'Indo-Pacifique vont être aussi au service de la stabilité stratégique. Donnez-moi un dernier exemple, le Pacifique. Les États insulaires n'aiment pas cette notion d'Indo-Pacifique parce qu'ils y voient un vecteur pour la réintroduction des logiques de puissance dans cette région. Ils ont évidemment tous le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc je crois qu'il est important d'entendre ça et dans les modalités, en effet, même de déploiement, tout ce qui a été fait dans le cadre de Pégase qui mettait l'accent sur les solutions pour les catastrophes naturelles, mais même par exemple la sécurité environnementale, etc., est absolument essentiel parce que ce sont les bonnes portes d'entrée auprès de ces États insulaires. Merci, monsieur l'ambassadeur. La réponse est allée bien au-delà, en fait, de la question. Et c'est heureux, ça nous permet de balayer l'ensemble des enjeux. Je vais prendre mes responsabilités, malheureusement. Nous allons avoir un moment de convivialité tout à l'heure, au cours duquel vous allez pouvoir échanger, poser des questions, en particulier, je suis désolé, ça va être un peu frustrant, mais je reçois des ordres en cours d'action. Voilà, il y a différence entre planification et conduite, y compris pour les colloques. Et ici, on va bien mettre fin, j'assume, à cette table ronde pour des raisons de temps. On a des choses encore très intéressantes qui suivent. Et eh bien, allez, vous demandez d'applaudir encore une fois, mais les deux tables rondes, en vous remerciant. Merci à tous les intervenants et merci à vous. Et nous passons à présent au discours de clôture du Major Général de l'Armée de l'Air et de l'Espace. En fait, au lieu de discours, je vais faire un mot de conclusion pour essayer de rattraper un petit peu le timing. Telle l'armée de l'air, c'est le faire, hein, dans la puissance de projection. Donc, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs officiers et généraux, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, je dois excuser l'absence du général Mill, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, appelé à d'autres obligations, et ce qui me permet d'avoir le plaisir d'avoir partager avec vous cette matinée formidable avec ces tables rondes de très haut niveau ainsi que les questions posées, même si on n'a pas eu beaucoup pour la dernière, mais la table ronde était tellement complète que finalement tout avait été abordé. Je remercie tout particulièrement les attachés de défense aussi qui sont venus en nombre, qui témoignent de leur intérêt, de la vision stratégique de l'armée de l'air et de l'espace.
Je vais conclure rapidement, mais je commencerai par un petit retour en arrière, puisque l'aviation permet depuis toujours de compresser l'espace et le temps et de rapprocher les peuples. C'est ainsi que le terme de diplomatie aérienne a été utilisé pour la première fois par Paul Claudel, en 1927, donc une année avant le pont aérien de Kaboul, alors qu'il soulignait l'avance prise par les États-Unis après la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh. Donc aujourd'hui, nous avons une définition plus large du concept de diplomatie aérienne et spatiale. Elle a été présentée plus tôt, et sans reprendre tout ce qui a été dit, je vois essentiellement trois types différents de la diplomatie aérienne et spatiale qui vont de l'influence jusqu'à la coercition. On a d'abord la représentation de la souveraineté de l'État, ensuite on a la coopération, et enfin on a la contrainte juste avant la coercition. Elle résonne particulièrement vis-à-vis du plan stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le plan 3D, pour décourager, défendre et défaire, et ne peut se concevoir sans la ressource principale de nos capacités, nos aviateurs qui représentent les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Les plus connus de ces ambassadeurs participent directement à notre diplomatie par les airs. Lorsque la patrouille de France se produit dans un pays étranger, elle véhicule un savoir-faire, mais aussi rapproche les nations. C'est un symbole d'amitié et de rayonnement. La diplomatie aérienne s'appuie donc sur la crédibilité de notre outil militaire en général et des forces aériennes et spatiales en particulier, au travers de la capacité à assurer l'acquisition d'un renseignement de qualité et à la protection de notre espace de souveraineté, qu'il soit en métropole ou en outre-mer, pour lequel nous disposons de la deuxième zone économique exclusive en termes de superficie. C'est un enjeu considérable. Au sujet de la coopération, elle revêt de très nombreuses formes. Je ne reviendrai pas sur l'historique très complet des ponts aériens, sur les missions d'aide humanitaire ou d'urgence face à un sinistre, HADR. Il y a un point particulier sur les exercices internationaux où notre armée de l'air est pleinement engagée. Et je prendrai deux exemples récents où les rafales ont été en Égypte pour l'exercice Hamoun, ou un peu plus tôt cette année, l'exercice Abalil en Irak, avec des rafales qui a permis une réouverture concrète des canaux diplomatiques vers l'Occident de ce pays du Moyen-Orient. Madame Ruffo, la DGRIS, a très justement évoqué également l'exercice Aster-X pour l'espace, où on a énormément d'échanges diplomatiques. Enfin, il y a tout le réseau des escales aériennes. Je n'en reviendrai pas en détail sur Pégase et le nouveau concept Rapace pour avoir des points d'appui un peu partout. Et tout ceci a été très bien décrit, notamment par Monsieur l'ambassadeur Abanceau et le général Le Bouil. Je tiens quand même à souligner le triptyque Game Changer Rafale A400M MRTT. Ce trinôme permet de projeter une puissance dans un temps record sur n'importe quel point du globe en parfaite cohérence et montrer ainsi toutes les capacités aériennes de l'armée de l'air et de l'espace. Et c'est ce qui a été le cas sur Pégase 23. La prochaine édition, Pégase 24, se fera dans un cadre européen avec nos partenaires espagnols, allemands et britanniques, en se projetant à la fois par l'ouest et par l'est pour venir se poser en Australie en faisant la plus grande pince crabe qui puisse exister. Donc voilà, donc effectivement, cette capacité de projection rapide de puissance à longue portée, du renforcement des capacités d'accueil des points d'appui, la consolidation des partenariats régionaux, les missions de réassurance des Outre-mer et la diplomatie aérienne adaptée en particulier par la surveillance aérienne et spatiale représentent ce que l'armée de l'air sait faire dans sa politique vis-à-vis de l'Indo-Pacifique. Dernier point de coopération, ça a été abordé dernièrement, l'exportation du matériel. Effectivement, on participe à montrer l'excellence de notre BITD dans le domaine aérien, mais aussi dans le domaine spatial. Au sujet de la coercition, dans le continuum compétition, contestation, anticipation, à la frontière de la contestation et de l'affrontement, la diplomatie aérienne est également présente afin de contraindre un adversaire. Différent d'un affrontement ou d'une guerre établie dans le sens où la diplomatie aérienne s'entend comme la menace et ou l'emploi volontairement limité et graduel de la puissance militaire afin de persuader un adversaire de mettre un terme à une action en cours, de revenir à un statu quo ante ou de l'obliger à une action qu'il juge indésirable. L'arme aérienne dispose de caractéristiques qui les rendent tout à fait adaptées: emploi graduel, réversibilité, flexibilité, précision.
En son temps, l'opération Lamantin a prévenu l'invasion de la Mauritanie par le Front Polisario en 1977 et plus récemment, l'opération Hamilton en 2018 est un exemple emblématique. Enfin, au sujet du rayonnement, et juste avant de conclure, dans ce contexte de durcissement géostratégique mondial et le retour de la guerre de haute intensité en Europe, ces points rendent plus que jamais nécessaire une réflexion renouvelée à la lumière des enseignements des conflits récents sur l'emploi de la puissance aérienne et spatiale. Comme pour ces opérations, l'armée de l'air et de l'espace est au rendez-vous de cette réflexion, d'autant plus impérative qu'elle participe tant à la fonction influence, érigée en nouvelle fonction stratégique par la Revue nationale stratégique, qu'à la concrétisation de la stratégie militaire générale du chef d'état-major des armées. Portée par des aviateurs, l'armée de l'air et de l'espace participe aux efforts des armées pour faire rayonner la pensée stratégique française dans le domaine de la puissance aérospatiale et des champs connexes. En clôture de cette conférence sur la diplomatie aérienne et spatiale, il me revient l'honneur de lancer aujourd'hui officiellement devant cette auguste assemblée associée à notre réflexion stratégique, la chaire de stratégie aérienne et spatiale appliquée. Je trouve plus ma page. Promouvoir la puissance aérospatiale, faire progresser l'enseignement et la recherche dans ce domaine et à terme en faire une discipline consacrée, tels sont les objectifs de cette chaire instituée au sein du Centre d'études stratégiques aérospatiales. J'appelle donc ici le général Emmanuel Boiteau. Pour mener à bien cette mission dans sa capacité initiale, j'installe le directeur du CESA, le général Emmanuel Boiteau, comme titulaire de la chaire de la stratégie aérienne et spatiale appliquée. Merci. Olivier, professeur, pour cette animation, une fois de plus, l'armée de l'air et d'espace nous doit beaucoup.